amante, ula pari amante, ula pari amante, ula pari amante, palisa pari amra, ula kari ala mama, oleta le mandala hante, oleta le amanda le hante, ula mama mama hante, la subari ananda la glada raba, ula glada la mama mama, pari mama 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 mama, pari mama mama yasa, nure desima, na 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 Merci pour ta présence. Merci pour cette onction ce matin. Merci pour ta gloire ce matin, Seigneur. Merci pour ta puissance ce matin, Saint-Esprit. Oh, makara baba 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 shatayaba. Tu es palpable ce matin en ces lieux. Ta présence est palpable en ces lieux ce matin, Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Merci de guérir quelqu'un ce matin. Merci de transformer la vie de quelqu'un ce matin. Merci de toucher quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi tous ensemble, comme une seule personne, nous t'offrons une offrande d'acclamation ce matin. Tous ensemble, de partout où nous sommes dans le monde, nous t'offrons une offrande d'acclamation ce matin. Parce que tu mérites. Tu mérites d'être célébré, Jésus. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos cris de louange. Tu mérites nos moulolos. Est-ce qu'un vivant, est-ce que quelqu'un ce matin peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Il est redoutable dans sa présence ce matin. Il est redoutable dans sa présence ce matin. Oh mon Dieu. Avant que tu ne puisses te rasseoir, j'aimerais que tu te tournes vers ton voisin de gauche et de droite, que tu lui souhaites la bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, sois la bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Fais un sourire à la personne. Toi, tu salues avec un visage ferré. Fais un sourire. Peut-être que tu es en train de dire bonjour à ta future femme. Oh, est-ce qu'un célibataire m'entend? Je disais... Et peut-être que tu es en train de dire bonjour à ton futur mari. Peut-être que tu es en train de dire bonjour à ton futur patron. Dis-moi bien bonjour, oh mon Dieu. Dis-moi bien bonjour. Tu ne sais pas ce que je deviens demain. Tu ne sais pas ce que je veux devenir demain. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui circule. Je crois que c'est une photo qui a été prise il y a plusieurs années. Avant que son excellence, monsieur le président de la République, devienne président. C'était à l'église, c'était dans un culte. J'imagine que c'était un culte des dimanches comme celui-ci. Il était pris, il était assis, j'allais dire, et la photo était prise. Et je suis sûr que quelqu'un qui était à côté de lui ce dimanche-là s'est dit aujourd'hui, si seulement ce dimanche-là, je lui avais bien salué. Si ce dimanche-là, je lui avais ne fût-ce que donné ma carte de visite. Si ce dimanche-là, après que je l'avais ne fût-ce qu'invité, oh, salue bien ton voisin. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Ah, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, nous sommes à la porte des cieux, à l'église des millionnaires. La personne qui est à côté de toi, c'est un millionnaire. La personne qui est assise à côté de toi, c'est quelqu'un que Dieu va élever demain. Y a-t-il des gens en ces lieux que Dieu va élever demain? Je regarde dans cette salle et je vois des gens que Dieu veut élever. Je regarde dans cette salle et je vois des gens que Dieu emmène dans les hauteurs. Je regarde dans cette salle, je vois des gens que Dieu emmène dans la grandeur. Oh mon Dieu.
bienvenue à la porte des cieux, au centre international de réveil. Vous êtes à la plus belle ville du monde, nous sommes à Kinshasa. Et la plus bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, j'ai encore une deuxième bonne nouvelle. Il est vivant. Je disais, il est vivant. S'il est vivant, mes problèmes auront des solutions. Oh, s'il est vivant, ma vie va changer. S'il est vivant, les choses vont changer dans ma destinée. S'il est vivant, oh, je disais, s'il est vivant, ta situation va être transformée ce matin. Oh, tu veux que je te donne une troisième nouvelle? Le tombeau est resté vide. Je disais, le tombeau est resté vide. Il n'y a pas de cimetière où je peux aller et voir Jésus. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va aller en Israël. On va nous montrer un tombeau qui est vide. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Je disais, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis très heureux de revoir ce matin ma mère spirituelle, maman Simiane. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour célébrer la vie de la servante de Dieu? Maman est de retour. Gloire au Seigneur. Je nous prie de nous rasseoir juste pendant quelques minutes. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre pour la première fois, ils se posent la question, mais pourquoi dans cette église les gens crient beaucoup comme ça? C'est parce que nous sommes fous de Jésus. Amen. C'est parce que nous sommes amoureux du Saint-Esprit. Voilà, ce matin, je ne prêche pas. La tâche qui m'a été donnée, c'est de nous faire part des communiqués de l'Église. Et j'aimerais que nous puissions y prêter attention. Parce que je vais nous annoncer des choses qui sont liées à la communauté Porte des Cieux. Est-ce qu'on est d'accord? Je tiens déjà à nous dire qu'aujourd'hui, dimanche 6 août, nous avons un culte spécial, un culte hautement surnaturel. Et notre Père est à la maison. Donc, quand vous voyez maman, comprenez que papa est là aussi. Donc notre Père est déjà à la maison, il va nous parler aujourd'hui des mystères, les mystères de l'énergie spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt, mais je peux nous dire que Dieu va nous faire du bien ce matin. 100% parole, 100% prophétie, 100% guérison, 100% miracle. Je suis venu avec une soif, ma soif est de voir Jésus et je sais que par son serviteur, notre Père spirituel, le prophète Joël, Dieu nous fera du bien. Et aujourd'hui est un dimanche très spécial dans notre église parce que juste après, les après-midi, nous aurons un culte avec les ministères des jeunes. Est-ce que la génération, elle, est là? Donc, à partir de 16h, nous aurons Fautizo, illuminé pour impacter. Ça, c'est un programme qui va réunir des jeunes, non seulement de la Porte des Cieux, mais des différents coins de la ville de Kinshasa. Ils seront très nombreux ici. Et à partir de 16h, notre Père spirituel va encore parler à la jeunesse. Soyons tous présents, nous serons tous là et nous savons qu'aujourd'hui, Dieu va nous illuminer afin de nous impacter. Je m'en vais très rapidement nous donner les programmes de la semaine. Déjà, je tiens à nous informer que mardi, nous avons notre école du réveil et d'esprit. C'est notre culte et mardi. Le culte, ce n'est pas seulement dimanche. Nous avons des cultes aussi mardi. Mardi de 17h à 19h30. Et pour ce mercredi, de 17h à 18h30, je vais dire de 17h30 à 18h30, une heure pratiquement par là, nous aurons une séance de prière avec le ministère de partenaires que je dirige. Donc nous allons prier pour les finances. Vous n'êtes pas encore dans les ministères de partenaires, ça veut dire que vous n'êtes pas employé, vous êtes employé, vous êtes employeur, vous êtes entrepreneur. Mercredi, nous nous voyons en ces lieux à partir de 17h30. Nous allons prier pour les finances. Amen. Et nous croyons que Dieu, en cette saison, veut shifter les finances de quelqu'un. Si tu n'as pas encore rejoint notre département, je le dis hors du micro, c'est le meilleur des départements. Ils sont là? Amen. Là-bas, je suis président. Amen. Et jeudi, nous avons le culte des femmes. De 17h à 19h30, donc toutes les femmes et les ouvrières sont priées, doivent être présentes pour la préparation de la prière avec le Père. Donc les femmes sont déjà informées par rapport à ce programme, donc jeudi, ne manquez pas,
et Dieu nous fera du bien. Il y a enregistrement des ouvriers et des membres de l'église. Les fiches d'enregistrement sont disponibles. Les ouvriers vont s'enregistrer, chacun dans son ministère, après, auprès de leurs responsables. Ça veut dire que vous êtes ouvrier, mais vous n'êtes pas encore enregistré. Voyez votre responsable directement, de manière à être enregistré. Vous pouvez le faire après les cultes, respectivement, selon vos départements. Pour ceux qui n'ont pas des ministères jusque-là, vous ne servez pas encore, vous n'avez pas de ministère. Vous devez passer à la table qui est dressée au fond de la salle et il y a des fiches d'enregistrement pour tout le monde. Ne soyez pas seulement des gens qui viennent, qui se mettent, mais participez au service de Dieu en servant Dieu. Amen. Ministère de la formation. Le ministère de la formation informe qu'il y a une session spéciale de baptême Recharge 21 qui commence le dimanche 13 août 2023. À partir du dimanche 13 août 2023, nous aurons une session spéciale de formation pour le baptême Recharge 21. Donc à la fin du culte, veuillez voir le pasteur Mike ou le frère Glodin Goyi pour l'enregistrement. Les cours des ouvriers et des membres continuent et la collation est prévue pour ce mois d'août à la fin de Recharge 21. Donc vous voulez participer à cela, n'hésitez pas de voir directement les responsables afin d'avoir la formation et être ouvrier. Ministère d'implantation et gestion des cellules. Le ministère informe que tout celui qui veut mettre en disposition sa parcelle pour l'implantation d'une cellule prière, une cellule de prière, je vais dire, de l'église Porte des Cieux, voit le pasteur Ramazani. Le pasteur Ramazani est ici, vous pouvez juste lever la main. Donc vous avez une maison, vous avez une parcelle que vous voulez mettre à la disposition de l'église. Vous habitez autour de l'église ici, Limete, Lemba, Mohamba. Donc voyez directement le pasteur Ramazani après le culte. Il vous orientera sur la manière de procéder. Amen. Voilà, j'ai déjà parlé du ministère d'entrepreneuriat. Nous avons notre session de prière mercredi à 17h30. On peut se voir 5 minutes après les cultes, juste pour avoir un petit briefing. Mais nous avons prière mercredi à partir de 17h30. Et comme vous le savez, cette semaine, ce vendredi déjà, nous aurons l'un des grands programmes de l'église dénommé Recharge 21. Recharge 21. Je disais Recharge 21 2023. Le Seigneur va nous recharger. Pendant 21 jours, nous allons venir ici. Nous aurons des sessions le matin, sessions à midi, à minuit. Et bien évidemment, à partir des après-midi, la session, la grande plénière, le Seigneur, pendant 21 jours, va nous faire du bien. Nous aurons comme orateur notre père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Ta manière d'acclamer ne me satisfait pas encore. Amen. Et nous aurons pour thème grand esprit. Je suis convaincu qu'après ces programmes, tu deviendras un grand esprit. Je disais, après ce programme, tu deviendras un grand esprit. Nous aurons des guerres de minuit à 1h. Nous aurons des guerres de midi, de 12h à 13h. Et la grande plénière, de 16h à 20h. Amen. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Par rapport à tout ce qui concerne les contributions liées à ce grand programme, merci pour ceux qui donnent déjà leurs contributions et pour ceux qui déjà remettent leurs enveloppes des demandes de soutien qu'ils ont prises. Et comme vous le savez, les ministres sont en train de contribuer à hauteur de $50, les ouvriers de $20 et les polos sont compris. Donc au fin fond de la salle là-bas, vous allez certainement voir des polos que nous vous donnerons. Ah voilà, il y a des modèles ici. Vous pouvez juste les ouvrir. Donc, je vois ici, le polo sera à $20, comme vous pouvez le voir. C'est beau, hein? Et la cagoule. Donc, les cagoules, lorsque vous payez $25, vous les avez aussi. Amen. $35. Moi, Elanga, maman Lili. Maximo, cagoule à recharge. Ça fait grand garçon. Amen. Amen. Nous avons ici remis aussi des lettres de soutien. Vous avez des personnes que vous pouvez contacter, des personnes qui aimeraient bien participer, soutenir l'œuvre de Dieu par leurs finances. Nous avons remis des lettres
Et nous avons encore ces lettres-là dans l'administration. Vous avez des amis à vous qui aimeraient bien contribuer dans l'œuvre de Dieu. Sentez-vous à l'aise, allez prendre ces lettres, envoyez à vos partenaires, à vos amis, de manière à ce qu'ils puissent contribuer à ce grand programme qui réunit le monde entier, qui bénit le monde entier. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Et cela est fait à tout le niveau, 10 dollars, 30 dollars, 100 dollars, 300 et au-delà, afin de participer à l'organisation de recharge. Et la dernière communication, que tous les papas, est-ce que les papas sont là? Voilà, que tous les papas restent après le culte autour de Pasteur Paul. Autour de Pasteur Paul. Pasteur Paul est ici, je te lève la main. Vous êtes papa, ne fouillez pas après le culte. On aura besoin de vous pour quelques minutes autour de Pasteur Paul, pour une communication qui va nous bénir. Amen. Amen. J'aimerais nous parler pendant 5 minutes autour de l'offrande. J'aimerais nous exhorter autour de l'offrande. Ta manière de ne pas acclamer me prouve que tu es fâché parce qu'il s'agit de donner. Tu vas donner l'argent à Dieu ce matin. Amen. Même si tu n'avais pas l'intention de s'aimer ce matin, crois-moi, après cette parole, tu vas changer un programme et tu vas donner au Seigneur. Parce que je vais te faire voir pourquoi tu dois donner au Seigneur. Amen. Je vais très rapidement ouvrir ma Bible. Je vais lire au livre, dans les livres de Genèse. Genèse, le livre de Moïse, l'un des livres de la Pentateuque. Genèse chapitre 2, à partir du 4e verset au 5e. Je lis au nom de Jésus. Voici les eaux. La Bible déjà ici nous enseigne qu'on est en train de parler de la formation de l'homme et de la femme. La Bible dit au verset 4, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ici, la Bible est en train de nous donner un contexte par rapport à la création. La Bible est en train de nous faire savoir que Dieu crée des arbustes, Dieu crée les arbres, Dieu crée tout ce qui devait être créé avant que l'homme n'existe. Suis-moi très bien. Dieu crée tout ce qui devait déjà être créé avant que l'homme n'existe. Mais il s'est fait un problème, c'est que la pluie ne peut pas descendre parce qu'il n'y a pas encore un homme pour cultiver. En d'autres termes, dans le contexte de ce que je suis en train de dire ce matin, les miracles que tu attends, la gloire que tu attends, la promotion que tu attends de Dieu est déjà quelque part dans l'atmosphère. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce que tu demandes à Dieu, la raison de tes prières, les solutions que tu es en train de demander à Dieu se trouvent déjà quelque part dans l'atmosphère, quelque part dans l'éternité. Mais lorsque vous évoluez avec moi dans ces textes, la Bible dit clairement que parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour cultiver, il n'y avait pas quelqu'un pour s'aimer, il n'y avait pas quelqu'un pour poser sa semence, la pluie ne pouvait pas descendre. Cela veut dire qu'il y a certaines bénédictions que nous attendons, que nous attendrons pendant longtemps, qui seront encore en attente jusqu'à ce que quelqu'un se décide un jour de pouvoir s'aimer afin de vivre une bénédiction. Cela veut dire que la bénédiction que j'attends du ciel est aussi conditionnée par ce que je place sur la terre. En d'autres termes, la télécommande qui fait en sorte que le ciel puisse produire se trouve entre mes mains sur la terre. Cela veut dire encore que les choses que j'attends de la part du ciel m'attendent aussi. Oh mon Dieu. Je disais, les choses que j'attends de la part du ciel m'attendent aussi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tourne tes yeux. Tu as appris pendant longtemps que tu devais tourner tes yeux vers le ciel. Ce matin, je suis venu te dire, tourne tes yeux vers la terre. Tourne tes yeux vers ta sémence. Tourne tes yeux vers ce que tu as en main, parce que ce que tu as en main détermine ce que tu recevras du ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais vraiment pousser quelqu'un à comprendre que dans le mécanisme de Dieu, dans la manière de faire de Dieu, généralement, il attend à ce que quelqu'un se lève. La Bible le dit clairement ici. La pluie ne pouvait pas descendre parce qu'il n'y avait encore personne pour cultiver la terre. Tu es là, tu as des grands projets.
J'aimerais parler à quelqu'un qui a une grande destinée. Vous savez, des fois, il se fait que tu n'as encore rien dans les présents. Il se fait que tu n'as encore rien touché dans les présents. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur de toi, quelque chose te rappelle que ta destinée ne correspond pas au présent. Parce que ta destinée sent que dans les futurs, que ta destinée sent que dans l'atmosphère, il y a une vie qui l'attend. Ça arrive à quelqu'un ici. Tu te réveilles le matin, tu regardes ta maison, tu regardes ta voiture. Tu te dis, je me contente de ça pour l'instant. Mais je sais au fond de moi que ça, ce n'est pas mon niveau. Y a-t-il quelqu'un qui vit ces choses-là ici? Tu te réveilles le matin, tu regardes ce qui se passe autour de toi. Tu regardes ton quartier, tu te dis, non. Ça, ce n'est pas le level dans lequel je suis appelé à vivre. La raison pour laquelle tu le sens, c'est parce qu'il y a une autre dimension de toi qui est dans l'atmosphère, qui est en train de te dire, fais le mouvement sur la terre afin qu'on puisse se matérialiser. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas anormal de penser comme tu penses. Tu n'es pas anormal d'avoir les grands rêves que tu as. Tu n'es pas anormal d'avoir des grands projets que tu as. C'est seulement que ta nature intérieure est en train de te rappeler que tu dois accéder à cette dimension-là. Et ce matin, Dieu est en train de te dire, pour accéder à cette dimension-là, c'est ton offrande. Ce que tu donnes sur la terre provoque la pluie dans les ciels. J'ai fini. Prépare une bonne offrande ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, que cette offrande que je suis en train d'emmener dans ta présence ce matin décante quelque chose dans mon atmosphère. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur. Je me tiens en ces lieux comme prophète et fils de prophète. J'aimerais que tu t'avances en déclarant à Dieu, en disant à Dieu, Seigneur, que cette offrande débloque mes finances. Que cette offrande débloque mes finances. Que cette offrande débloque mes finances. Est-ce que tu peux te lever avec ton offrande ce matin? Lève-toi avec ton offrande. Avance, ne sois pas silencieux. Commence à déclarer. Commence à parler au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, visite-moi. Récupérer un miracle quelque part dans l'atmosphère ce matin. Mais je m'en chante un chant qu'on dit, si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur, ta gloire. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la chanson, mais je m'en qu'on les chante tous ensemble. Qu'on active un miracle quelque part dans l'atmosphère, comme venaient de dire les prophètes Gratien. Je ne sais pas si tu le comprends ce matin, mais est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses deux pieds ce matin? La ria subrida kabalia asoma yaka. La ya brasobra kamani veli sakayabas. Ah, si tu pouvais encore une fois répondre ta sainte onction sur moi. Je promets d'en faire un bon usage pour ton honneur et ta gloire. Ah. De la tête aux pieds, tu m'as guéri. Mais je vois les hommes comme des âmes. Que ta main qui m'avait touché me touche encore. Est-ce que tu es capable de dire encore une fois ce matin? Dieu t'a touché hier, mais désire encore cela ce matin. Dis encore une fois ce matin. Comme Élie sur la montagne, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Encore une fois. Que le feu descende. Encore une fois. Ah, que le feu descende. Encore une fois. Que le feu descende. Encore une fois. Ah, que le feu descende. Encore une fois. Ah.
que le feu descende. Encore une fois. 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 Je vois la Shekinah, oh Seigneur, yeah. Je vois la Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois, oh Seigneur, je la vois. La Shekinah est l'ordre, oh Seigneur, comme la nuée, oh Seigneur. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Le soir, la peau, oui, je la veux. Je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Je la veux. Oh oui, je la veux. Ah, je la veux. Oh oui, je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Est-ce que tu peux te voir là où tu es? On va commencer à chanter ensemble. Come on, come on, come on. Est-ce qu'on peut même taper les mains? Mets-toi ma boca, mets-toi ma boca. Tu dis la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Tu dis. La Shekinah, la Shekinah, tu le dis. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, tu le dis. Oh, tu le déclares comme si tu le crois. La Shekinah. C'est ça encore plus fort. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Baissez l'écho, les guys. Baissez l'écho. La Shekinah. Arrêtez-moi cette écho. Lélo Shekinah. Lélo Kemba. Lélo Shekinah. Lélo Kemba. Lélo Kemba. Lélo Shekinah. Lélo Kemba. Lélo Shekinah. Tu es l'icapré à chatapa, les satapa, l'icabaya chetepa, et sata la brouche kata, et ma sota la biachete. Ce matin, nous déclarons la puissance, nous déclarons ta puissance dans ce lieu. L'icapé, l'ipaya cheta, l'icatepri à chata,
et pas y'a que la bourse. Ouvre ta voix et prie. Ouvre ta bouche et prie. Et baba chata pa. Et baba chata pa. Exagère encore dans ton onction. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, mon Dieu, mon roi. Ce matin, dans mon onction, exagère, exagère. Qu'il exagère ce matin par sa présence, qu'il exagère ce matin par son onction, qu'il exagère ce matin par ses miracles. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, mon Dieu, mon roi. Exagère encore. Nous avons
ici l'habitude de voir les prophéties, l'habitude de vivre le miracle. Mais ce matin, j'aimerais qu'on dise exagère encore. On veut voir ce matin ce que nos yeux n'ont encore jamais vu. On veut toucher ce matin ce que nos mains n'ont encore jamais touché. Tu ne peux pas venir ici et te dire, mon père est là, ça va prophétiser, ça va bien parler. Tu dois dire, Seigneur, exagère encore dans cette église. Parce qu'alors qu'il exagère dans ton église, il exagère dans ta vie. Il exagère dans ton onction. Il exagère dans les choses de ta vie où tu ne l'as pas encore vu. Et ce matin, il va encore exagérer dans sa puissance, dans la manifestation de ce qu'il est. Ce matin, accroche-toi à lui et dis-lui, exagère encore cette onction que tu as placée en moi. Exagère encore cette vie que tu as placée en moi. Exagère encore ces visions, ces projets, ces idées. Exagère, mon Dieu. Toi qui es le Dieu qui s'est multiplié. Toi qui es le Dieu qui s'est exagéré. Tu le chantes avec moi, je dis. Exagère encore, mon Dieu. Exagère encore. Tu peux ce matin crier vers lui afin qu'il exagère, afin qu'il prépare la voie pour le prophète ce matin. Exagère encore. Que les cieux ouverts soient encore plus ouverts ce matin. Exagère par ta puissance. Exagère par ton onction. Exagère par tes miracles. Exagère encore, encore. Tu peux profiter de cette atmosphère pour déclarer sur quelque chose de ta vie. Seigneur, exagère encore. Tu as déjà fait pour moi, mais je sais que tu peux faire plus. Alors mon Dieu, exagère encore. Oh, oh. Exagère dans ce département. Exagère sur le corps pastoral. Exagère sur chaque personne qui est venue ce matin. Exagère encore. Good job.
plus de ton onction. Te demander ce matin, je ne désire que toi. Ce matin, moi je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Nos âmes ce matin soupirent après toi, soupirent après toi. Nous sommes assoiffés, assoiffés de ta présence. Une autre dimension, tu lui chantes, une autre dimension, une autre dimension. Ce matin, une autre dimension de toi. Thank you.
tu peux le faire encore un peu plus fort. Tu sais que ce matin, il déborde. Non seulement il déborde dans ce lieu, mais il déborde dans ta vie.
Rien n'est plus beau, on le dit. Rien n'est plus beau que ton nom. Et rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux être cas. Tu veux lui faire ce vœu ce matin? Jésus mort. C'est ton culte personnel que tu vis là tout de suite. Je le redis, rien n'est plus beau. Est-ce qu'on peut le dire? Reçois, on y va ensemble. Tu es le roi de gloire. Digne es-tu? Ton onction me suffit.
Ton toucher me suffit, ton doigt me suffit, mon ami, tu me suffis, mon ami. Emmanuel, tu chantes, tu es. Toi, tu me suffis, tu me suffis. Parce que tu es mon meilleur ami, mon ami de tout le temps. Pas trop de rythme, pas trop de rythme. Toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon inganga ya monte. Tu le chantes? Azala kali susu camarade te akoma. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon ami de tout le temps, tu es mon meilleur. Je dis, quand la dépression a frappé à ma porte, ah ouais, impossible. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.
Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin? Mon meilleur ami. Alléluia. Élève les deux mains, nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Père, merci pour le don de la vie, de l'être et du mouvement. Merci pour la grâce de vivre et la grâce de respirer. Au-delà de la vie humaine, nous avons la vie éternelle, qui n'est pas qu'une vie quantitative, mais aussi qualitative, que nous n'expérimenterons pas dans l'au-delà, mais ici-bas sur terre, nous avons les bénéfices de Zoé, la vie de Dieu en nous. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. David a dit, alors qu'il est déjà à la maison, et il apprend qu'on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il dit qu'il est déjà dans la joie à partir de sa maison. À plus forte raison quand il arrive dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans ta maison. Et qu'il y a deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es là parmi eux. Seigneur Jésus, tu es là parmi nous. Psaume 133 dit, car c'est là, oui, c'est ici que tu répands la bénédiction et la vie pour l'éternité. Bénis ces instants que nous passons dans ta présence, comme tu as commencé à le faire depuis le début par ton esprit. En ce dimanche de surnaturel, laisse que ce ne soit pas un problème de nomenclature, que nous puissions expérimenter le surnaturel. Et que cette semaine qui commence, le surnaturel devient naturel pour nous. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Seigneur, surnaturel, 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 yes. C'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel, 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 c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Que cette semaine soit une semaine de surnaturel pour toi. Surnaturel au travail. Surnaturel au ministère. Surnaturel dans tes démarches. Surnaturel dans tes courses. Surnaturel à l'école. Surnaturel à l'université. Surnaturel dès dimanche jusqu'au dimanche. Surnaturel lundi. Surnaturel mardi. Surnaturel mercredi. Surnaturel jeudi. Surnaturel vendredi, amen. Surnaturel samedi, amen. 7 jours de surnaturel. Amen. Reçois cela au nom de et acclame très fort si tu le reçois par la foi et par l'esprit. In Jesus' name. Alors que tu avances, laisse que les opportunités avancent vers toi. Alors que tu avances, laisse que les clients avancent vers toi. Alors que tu avances, laisse que la faveur avance vers toi. Alors que tu avances, alors que tu avances, que les partenaires avancent vers toi. Alors que tu avances, laisse que les financiers, les bailleurs de fonds avancent vers toi. Je décrète et déclare une faveur spéciale sur toi ce matin. Que tout ce que tu vas toucher et faire soit empreint de la puissance surnaturelle de l'esprit. Que cela soit ton partage aujourd'hui et tout au long de cette semaine. Tu auras ce travail surnaturellement. Tu auras ce financement surnaturellement. Le monde autour de toi sera choqué et dira, ça c'est le doigt de Dieu. Que cela soit ton histoire en ce dimanche jusqu'au dimanche prochain. Je ne sais pas si quelqu'un entend un prophète parler ce matin. Je dis que cela soit ton histoire dès ce matin jusqu'au dimanche prochain. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement pour Jésus? Merci à la chorale, merci. Amen. Amen. Quelle joie d'être ce dimanche à Kinshasa, à la porte des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer mieux pour Jésus? Il le mérite. C'est le chef de l'État entrant, c'est lui, on allait être debout. Est-ce qu'on peut être debout et célébrer Jésus très fort?
On peut tous être debout sur nos deux pieds et célébrer Jésus, Jésus, Jésus. À lui la gloire. Amen. Déplacez-vous, saluez quelqu'un à côté de vous, cherchez une dizaine de personnes, souhaitez la bienvenue à quelqu'un ce dimanche de surnaturel et dis à ton voisin, recharge, 21 commence vendredi. Sois déjà le bienvenu, sois la bienvenue à la porte des cieux. Je dirais qu'il y a des gens là qui ne veulent pas saluer les autres. Il y a un problème? Tournez-vous, saluez quelqu'un, souhaitez la bienvenue à quelqu'un autour de vous. Dis soit le bienvenu, soit la bienvenue. Recharge 21, c'est déjà vendredi. Vendredi 11, Recharge 21 commence. Je serai là, tu seras là, nous serons là pour nous recharger. On peut acclamer mieux pour Jésus, il le mérite. À lui la gloire. Maintenant, lève la main, on va déclarer, dis avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, dans ma nation, dans ma famille et dans ma maison, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes gènes, dans mon ADN, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi. Il en est ainsi ce matin et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Je veux reprendre vos places dans la présence de Dieu. Multiple action de grâce ce matin. Merci au Seigneur d'être parti avec nous. Ça fait un peu plus d'un mois. Nous étions en mission à Paris. Pour ceux qui ont pu suivre les lives, comme nous suivons tous, Dieu a fait de grandes choses durant cette mission. Et la bonne nouvelle, c'est que 6 semaines se sont écoulées avec une formation. Vous savez, lors d'Anouka ici, nous avons eu notre première grande session de formation des disciples. Nous avons eu aussi la même formation à Paris. Et dimanche dernier, ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, nous avons baptisé plusieurs et nous avons remis les certificats à plus d'une centaine de disciples de la Porte des Cieux qui ont suivi la formation. Les responsables, les ouvriers, comme ceux qui aspirent à devenir ouvriers. On peut acclamer très fort pour les encourager, afin qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Et je tiens à remercier l'administration de l'Église qui a travaillé d'arrache-pied, de la Porte des Cieux Kinshasa, et de tous les pasteurs formateurs qui sont ici, qui ont donné des cours. L'Église est en train de grandir. Nous sommes déjà en train de chercher une autre salle pour contenir les gens qui viennent. Et installer les bureaux, la salle des médias et pour les enfants et surtout pour le parking. En tout cas, l'église de Paris se porte très bien. Et pour ceux qui nous suivent en direct, nous avons culte ce soir à 16h avec mon fils, le pasteur Stevie William. Il n'est pas de la Porte des Cieux, il est comme pasteur associé. Il a son église, mais il travaille alors que nous sommes en train de finaliser cette phase d'implantation. Il va prêcher la parole de Dieu. Il est de la famille. Il était ici avec nous, n'est-ce pas? Même au Gabon, il était avec nous. Il nous a servi. Il était avec moi à Bruxelles, un peu partout. Il est avec nous. En tout cas, ne ratez pas ce soir. Le thème sera « Ça, c'est le doigt de Dieu ». Dis à ton voisin, « Ça, c'est le doigt de Dieu ». Je remercie le Seigneur aussi pour la MAPRE. Nous avons eu une glorieuse méga nuit du Saint-Esprit à Paris, à la même salle, espace Venise. Ils sont venus de partout, en tout cas, de plusieurs nationalités, ont pris part à cette veillée. Et nous sommes en train de travailler maintenant pour grandir l'effectif des ouvriers de la MAPRE en Europe. Vous connaissez la MAPRE, n'est-ce pas?
C'est avec la MAPRE qu'on a organisé les réunions du Saint-Esprit à Lolo la Crevette, les grandes conférences en ville. On en a organisé aussi au niveau de Lubumbashi. On a organisé des programmes à Paris avant que la Porte des Cieux ne commence. Et la bonne nouvelle est que la MAPRE en Europe est en train de grandir. Et l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous voulons être dans, si pas la moitié des grandes villes de l'Europe. Nous voulons vraiment prendre les grandes villes européennes et établir des bases de la MAPRE là-bas pour que Dieu permette, par ce qu'il nous a donné, de bénir le corps du Christ en Europe, à part l'église Porte des Cieux en tant qu'église locale. Et pour ceux qui sont en Belgique, nous annonçons déjà une bonne nouvelle, c'est que la MAPRE vient avec la nuit du Saint-Esprit au mois de novembre de cette année, une grande nuit du Saint-Esprit. On peut les encourager. On vous donnera les dates déjà la semaine prochaine. Nous aurons veillé et le dimanche, je serai à notre église de Bruxelles. Par la grâce de Dieu, nous avons aussi trouvé déjà la parcelle. Nous avons toute une parcelle avec beaucoup de bureaux pour l'église Porte des Cieux de Libreville. Ils sont en train de faire les travaux actuellement. Encouragez-les. C'est le couple Biquet qui font le travail. Ils ont trouvé les lieux. Ils sont en train déjà d'aménager les lieux bientôt. Ils vont commencer les réunions et on va arriver là-bas pour lancer l'église. Un de mes fils, pasteur Hicam, il est venu ici avec sa femme plus d'une fois. Il est au Cameroun. Je lui ai dit, j'aimerais lancer une église à Douala. Il a dit, ah papa, c'est comme si c'était déjà fait. Il est allé, il a pris le lieu, il a payé le lieu. Déjà, donc on a déjà la salle. Il m'a dit, papa, envoie un pasteur. On va commencer. Donc, je ne sais pas lequel des pasteurs on a envoyé au Cameroun ici là. Prophète Kainos. Ok. Donc, on a un. Vous avez dit non? Non, non. Oh, tout le monde doit partir. Vous voulez rester ici? Il faut qu'une nouvelle génération se lève aussi. Donc, nous avons déjà la parcelle. Maintenant, là, elle est déjà payée. Nous avons tous les lieux pour recommencer l'église à Douala. On se prépare. Certainement, au mois de septembre, on prépare un programme. On attend encore les conclusions. L'église Porte des Cieux a lancé à Ottawa, comme vous le savez. L'église Porte des Cieux a lancé à Washington, D.C. Nous sommes à Washington, D.C. Et mon fils, le prophète Philippe, est en train d'arriver, je crois, cette semaine, parce qu'on prépare le lancement de l'église Porte des Cieux avant la fin de l'année à Matadi et la réouverture de l'église à Lubumbashi. Et Batoto à Goma, on arrive à Goma aussi. On arrive à Goma. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » bien? On arrive à Goma et la bonne nouvelle, c'est que le mois prochain, après Recharge 21, nous allons à Brazzaville avec la MAPRE. Et juste après ça, nous lançons l'église Porte des Cieux à Brazzaville. Acclamez très, 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 très fort Dieu est à l'œuvre. Amen. En tout cas, l'un des deux prophètes va aller à Brazza. Et c'est le prophète Gratien. J'ai déjà parlé avec lui. Il va au... Acclamez bien. Brazza, c'est à côté. Donc, on peut finir le culte ici, le premier culte, parce qu'on va relancer les deux cultes. Il part, il peut travailler là-bas le soir, parce qu'on commencera avec les réunions du Saint-Esprit le soir, dimanche. Donc, il fait le culte, il prend le bateau, il traverse. On va commencer à tous traverser comme ça, parce que nous voulons que Brazza soit l'une de nos plus grandes bases. Et nous serons à l'esplanade du palais de Parlement. Nous serons là, c'est déjà confirmé, le 16 et le 17 septembre de cette année. Nous serons à l'esplanade du palais de Parlement à Brazzaville. Le matin, on aura École des prophètes et le soir, on sera à l'esplanade. Amen. Que de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Je vois bientôt, tu témoignes ici que tu as acheté une parcelle. Tu as fini de construire. Tu as élevé premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Quatrième niveau, cinquième niveau. Vous savez, moi, je ne sens pas beaucoup. Dernièrement, avant qu'on voyage, on était avec maman en ville. J'ai dit, mais tous ces bâtiments à Gombe, on poussait quand? GB, Gombe, je n'ai pas compris comment les immeubles sont en train de pousser. Et quand je regardais, je voyais les noms des gens de la Porte des Cieux dessus. Maintenant, quand tu n'acclames pas, tu es fâché contre moi ou... Et comme ce sont les bonnes nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles de mariage à la Porte des Cieux. Mes fils sont en train de se marier. Mes filles sont en train de se marier.
Ne vous en faites pas, ce n'est pas Christian Poyi, le pasteur. Bientôt, ce sera lui et le pasteur Daniel qui va suivre. Je prie de les bénir le même jour. Que le Dieu de 8 heures de prière se souvienne de lui. Nous avons un couple formidable. C'est un fils très proche à moi, très loyal, très fidèle. L'homme le plus calme de l'église. Il est calme comme un lac. Il ne va ni à gauche ni à droite. Il fait son travail. Il ne parle pas beaucoup, mais il travaille beaucoup. Ceux qui le connaissent, des fois, il est avec nous. Des fois, il demande la permission parce qu'il va à l'intérieur du pays pour travailler. Il est dans le charbon et dans beaucoup d'autres business. Il me dit, papa, je ne peux pas rester ici. Je dois travailler parce que je dois me marier. C'est un fils brave. Manamoubali. Il est fort. Il est beau. Il s'habille bien. Il est intelligent. Il est rechargé avant recharge. Et il a fait déjà le mariage coutumier. Il est déjà marié coutumier. J'invite, avec l'accord de tous les protocoles de l'église et la permission du président Christian Mbaki, j'invite notre frère, notre fils Willy Makunzi et sa femme Sarah Touté qui avance. Les protocoles. Vous n'avez pas remarqué que Willy a changé? Vous remarquez? Et si vous permettez, nous allons officiellement accueillir notre fille, notre sœur dorénavant ici avec nous, que nous aimons. Les mamans sont là? Nous allons accueillir notre sœur Sarah Touté, qui devient déjà, dans quelques jours, Madame Makunzi. On acclame très fort. Double acclamation. Il le mérite vraiment. Le mariage coutumier a eu lieu le 30 juillet 2023 et le mariage civil aura lieu le 25 août 2023 et ce sera en plein recharge. Le mariage religieux aura lieu ici le 27 août 2023, nous allons bénir son mariage. On acclame très fort pour le Seigneur. Nous encourageons toute l'Église, en commençant par les protocoles, le leadership, les pasteurs et tous ceux qui travaillent, à pouvoir honorer ce couple. Willy nous a toujours honorés. C'est quelqu'un de sûr. En tout cas, on peut toujours compter sur Willy. Vous n'entendrez pas dans les critiques, les calomnies. C'est un homme très sage, très posé. Madame, vous avez eu un homme bien. Et façon, il nous a parlé de vous ici. Il vous a tellement vanté qu'on avait hâte de vous avoir parmi nous. Merci de nous avoir accepté. Merci d'avoir accepté Willy. Et je vous promets, vous êtes déjà une femme heureuse et bénie. Merci à vous, merci. Merci. Dis à ton voisin, à qui le tour? C'est qui le prochain? Pasteur Daniel. La Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Qui est d'accord que ce soit le pasteur Daniel?
Qu'il en soit ainsi. Amen. Pour les bonnes nouvelles, nous sommes honorés de recevoir ce matin un ami. Avant de passer à autre chose, un ami à moi. Ça fait de longues années que nous sommes connectés. Il a été aussi mon professeur à un moment dans une structure qu'il avait. Un homme très sage, un homme très humble, un ami fidèle, loyal. Quand la porte des cieux ne ressemble à rien ici, il était venu. Il avait prêché un message qui m'avait touché. Il parlait de Noé. Il a dit, et Noé se réveilla de son vin. Il dit, faites attention, un père, même s'il est ivre, même si ça peut arriver qu'il s'enivre, faites attention. Parce que s'il va finalement se réveiller. Il a dit, faites attention les hommes de Dieu, au moment où on pense qu'ils sont les plus faibles, qui sont dans les temps de crise, qui sont dans les temps où on peut les discréditer. Faites attention parce qu'ils finissent toujours par se réveiller. J'avais capté vraiment cette phrase. Qui était là pendant qu'il nous enseignait? Quelques personnes ici. Le docteur Manu, qui va se tenir debout. Un homme expert, excellent. Vous le verrez bientôt prêcher ici avec nous à l'église sous la chaire. Il enseigne très bien sur le leadership, la vision. Il m'avait donné cours sur la vision. Docteur, merci beaucoup d'être là. Il m'a dit, en tout cas, mon frère, je viens t'honorer et prier. Tu peux dire un mot à l'église, s'il te plaît? On acclame très fort alors qu'il monte. Alléluia. C'est un bonheur, un privilège d'être là aujourd'hui. Comme l'a dit les prophètes, c'est vraiment la famille. C'est plus que l'amitié, c'est la famille. Et moi, j'ai beaucoup appris de lui, au contraire. Beaucoup de qualités. Et il y en a beaucoup. Je voudrais peut-être parler d'une des qualités que moi, j'ai retenue de lui, la plus importante pour moi. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 4, versets, je crois, 8 et 9, hein, on dit « Deux valent mieux que un, car si l'un tombe, l'autre le relève », n'est-ce pas? Alors, lui, il est très fort dans les relèvements. Il est les révélateurs. Comment on dit, je ne sais pas si les mots en français existent. Hein? Parce qu'il il a connu beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Les gens ont voulu l'enterrer. Alors que lui, quand on veut être enterré, il te déterre. Hein? Il te relève. Et ça m'a toujours frappé de sa vie. Et je suis très content de voir maman. J'ai senti la voix, les sons. Waouh, grave. Je vous aime de tout cœur. Merci pour... Sans autotune. Et comme il a dit, j'enseigne les management, leadership et les finances spécialement. Alors, il y a l'ami qui était passé ici, il disait l'église des millionnaires. Waouh, ça m'a touché parce que je suis prophète de la prospérité financière. Quand Dieu me parle, généralement, à 90% de ce que je reçois de Dieu, ce sont des messages qui traite des finances, d'entrepreneuriat, d'économie, de l'argent. Et Dieu m'a dit en venant ici que la saison prochaine pour la porte des cieux, c'est la saison des millions par semaine et par jour. Je veux que vous les reteniez très bien. Je veux insister parce que les gens qui touchent des millions, avoir un million de dollars ou d'euros, c'est pas facile. Il y en a qui ont ça. Ce n'est pas facile. Il y en a qui en ont après 10 ans, 5 ans, une année. Mais Dieu m'a dit, porte des cieux, ça va se faire chaque semaine, chaque jour. Et ça va se faire au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tu reçois cette parole, tu la reçois, je dis tu la reçois. Je dis tu la reçois. La prochaine saison de la porte des cieux concerne les finances. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi le prophète parler ici. Il a dit, Dieu lui a dit en venant ici que la prochaine saison de cette église, c'est la saison des millions. J'aimerais que quelqu'un prenne une offrande là où il est. Vous êtes en ligne ou ici. Nous nous connectons tous à la grâce. Nous nous connectons tous à la grâce. Prends une offrande où tu es et viens déposer sur l'autel. Dis, j'entre dans la grâce des millions par jour, par semaine, par mois. En cette saison, la grâce m'est accordée. Avance et dépose. Dis, je me connecte au million. 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 En commençant par mon pasteur assistante, jusqu'à l'enfant qui allaite dans cette église, je décrète et déclare les millions dans l'église. Les millions dans l'église.
les millions dans l'église. Donne une offrande comme un millionnaire. Si tu as 100 dollars et tu as 5000 francs, laisse 5000 francs à côté. Prends 100 dollars et donne. Donne comme un millionnaire. Donne comme un millionnaire. Donne à la mesure de ce que tu as reçu. Libère-toi de la mentalité de la pauvreté. Ne te dis pas, je donne 5000, je donne 2000 et puis c'est fini. Donne à Dieu quelque chose qui ressemble à ce que tu crois avoir reçu de lui ce matin par cette déclaration. Dans le nom de Jésus. 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 Dis avec moi, je reçois les millions. Lève la main droite, dis Seigneur, les dettes finies. La sécheresse finie. Le manque fini. Cette saison est ma saison d'être rechargé financièrement. Je le crois. Je le confesse, la saison des millions vient d'être inaugurée. Au nom de, acclame très fort alors que tu reçois cela. Merci au docteur Manon, juste avant d'aller clôturer et entrer dans la parole. Nous avons la plus grande bonne nouvelle de la semaine et du mois d'août, vous le savez avec moi. Recharge 21-2023 se passe. Nous commençons ce vendredi. On peut m'emmener le panneau, le cadre commence ce vendredi 11 août et va être clôturé jeudi 31 août 2023. Nous aurons pour cette session, comme l'année dernière, 16h à 20h pour les grandes plénières. Nous aurons en addition de ça l'esprit d'Anouka qui nous suit jusque dans Recharge. Nous aurons guerre de midi à midi en ligne et nous aurons guerre de minuit à minuit en ligne. Amen. L'affiche est là, elle sera devant la porte. Merci. Dis à ton voisin, Recharge. Change de voisin, dis voisin, Recharge. Maman, tu viens, on fait la photo. Nous, on commence, on fait la photo. Dès que le culte se termine, vous allez vous placer là, juste devant le rideau. Voilà. On fait les jolis sourires. Il me s'habille bien. Il y a ton voisin photo ça la magité. Sorozagi Toko et Robi Misayo. Merci maman. Donc, nous commençons ce vendredi, en tout cas, préparez-vous pour ces 21 jours. C'est vraiment une convocation solennelle. Dieu nous appelle à nous recharger, comme un téléphone après avoir l'avoir utilisé. Vous savez avec moi que le téléphone ne fonctionne qu'avec la charge, n'est-ce pas? Et dans la charge, il y a ce qu'on appelle, la charge veut seulement dire l'énergie. Amen. Et l'énergie, lorsque c'est plein, nous avons... C'est de quelle couleur? C'est vert généralement. Lorsque c'est low bat, c'est quelle couleur? C'est rouge. Lorsque c'est plein, c'est la couleur? Lorsque c'est low bat, c'est la couleur? D'accord. Et vous êtes aussi comme un téléphone. Il peut arriver que vous puissiez être rempli. Mais il arrive aussi que vous puissiez être diminué ou déchargé. Amen. À force d'être utilisé. Vous avez prêché, modéré, chanté, prier pour des gens, vécu une vie chrétienne ordinaire, il est possible qu'on puisse se décharger. Dieu nous appelle dans sa présence pour 21 jours, être rechargé dans l'enseignement de la parole. En tout cas, je me connais. J'ai déjà prêché, mais recharge. Non, honnêtement, je ne parle jamais comme ça. Je le dis peut-être pour les services que je veux faire. Mais là, je vous dis en tout cas, façon je me prépare dans la parole pour recharge, il y a quelqu'un qui va manger. Tu vas écouter des choses qui vont te bouleverser. Je dis, tu vas écouter des choses qui vont te bouleverser. Dis à ton voisin, tu vas entendre des choses qui vont te bouleverser. Donc ne rate pas déjà vendredi le premier jour, sois là. Parce que tout dépend non seulement de la fin,
Mais ça dépend aussi des fois du commencement. Sois là au premier jour vendredi. Ne viens pas seul, invite autant de personnes que tu peux. Écoute la parole avec nous. Déjà, vendredi, 12h, on commence la prière. 16h, on est pour la plénière. Et on est là à minuit pour la prière. On ne sera pas à jeun, mais on aura des jours spécifiques qu'on vous donnera durant lesquels nous allons jeûner. Amen, amen. Le temple sera ouvert pour la prière. L'intercession s'organiser pour la prière. Vous voulez prendre part à ce programme, vous êtes à Brazzaville ou ailleurs, vous pouvez appeler au numéro de l'église et voir dans quelle mesure prendre part à ce programme. Les tracts sont à votre disposition. Quand vous allez sortir d'ici, prenez un tract dans les mains de protocole et donnez à un maximum de personnes et persuadez-les de ne pas rater ce programme que nous commençons ce vendredi. Dis à ton voisin, recharge. Et le thème de cette année est, dis avec moi, encore? Non, je veux que l'église vibre au rythme des recharges. Le thème c'est quoi? Plus fort? Plus fort? J'aime les quinois, ils disent, Johanna a esprit faible. Momiana a esprit faible. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc ce n'est rien à voir avec l'aspect. On a dit, ah, Minga, mais rien, esprit faible. Parce qu'on peut sentir dans la manière de se tenir de quelqu'un, de parler de quelqu'un, de réagir de quelqu'un qu'il y a un esprit faible ou un esprit fort. J'aimerais te dire, à l'issue de ces recharges, Dieu fera de toi un grand esprit dans ta génération. Je dis, Dieu fera de toi un grand esprit dans ta génération. On dit, Daniel avait quoi? Avait un esprit? Un esprit? Une autre version dit élevé, une autre version dit supérieur. S'il y a des esprits supérieurs, c'est qu'il y a des esprits. À partir de cette saison, tu seras dans un esprit supérieur. Même au travail, quand tu entreras seulement, tous ceux qui sont des mystiques sauront que toi, tu n'es pas un petit esprit. Tu n'es pas un esprit faible. Tu n'es pas un esprit inférieur. Mais tu es un esprit. Je vais commencer à introduire recharge en parlant de la lumière. Proverbe dit, l'enseignement est une lumière. Quelqu'un m'entend? Il dit, mon fils, écoute, l'enseignement est une... Je vais vous parler d'abord de la lumière. Vous allez écouter des choses qui vont vous préparer l'esprit. Je parlerai de l'anatomie de l'esprit. Dis à ton voisin, l'anatomie de l'esprit. Hein? Je parlerai maintenant comment devenir un grand esprit. Et je finirai en parlant de 12 lois de la spiritualité christique. Donc 12 lois de la spiritualité en Jésus-Christ. Vous devez écouter ça. Je me suis bien, en tout cas vous me connaissez, je me suis bien préparé pour enseigner. Je suis le seul orateur. Mais je doute même que la matière ne se termine. Elle ne va pas se terminer. J'ai beaucoup de choses à enseigner. Tout ce que je vous donne, c'est un mandat que Dieu m'a donné. D'élever une génération des enfants de Dieu qui sont compétitifs dans tous les secteurs et qui ont des esprits élevés, en d'autres termes, qui sont des hommes et des femmes spirituels. Dis à ton voisin, bienvenue dans l'année d'ascension. Ton esprit va monter. Je dis, ton esprit va monter. Ta chair va baisser, ton âme va baisser, ton corps. Mais ton esprit d'abord va monter. Il en sera ainsi pour toi. Donc, prenez les affiches, invitez un grand nombre de personnes et ne ratez pas ce programme. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort, très fort, très fort. Wow, il n'y a que des bonnes nouvelles ici. Avant de prier pour les offrandes, j'aimerais aussi vous annoncer, depuis un bout de temps, Dieu m'a mis un fardeau. Un fardeau comme pasteur de la porte des cieux, mais aussi comme ministre de Dieu dans le corps du Christ. De commencer à organiser des réunions qui vont réunir la jeune génération ou la nouvelle génération de ceux qui sont appelés dans le ministère. On était dans l'avion avec maman, on arrivait. Une jeune femme qui venait à la porte des cieux avant, très proche de Odia, de Olive, elle est venue, elle m'a dit, ah, daddy, je venais. Elle m'a dit, maman doit prier pour moi parce que j'ai un appel au ministère. Quand je l'ai vue, elle m'a dit, elle sera là le soir. J'ai dit, waouh, j'ai vu une jeune femme, mais avoir le goût du ministère. Alors, ça fait quand même longtemps que nous faisons ce travail. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas peu aussi. Et Dieu nous a permis de passer par beaucoup de choses, par beaucoup d'écoles, pour comprendre beaucoup de choses par rapport au ministère. Et j'aimerais partager
avec la nouvelle génération émergente ce que j'ai appris pendant toutes ces années de moi, des pères, des autres. J'ai quand même la faveur d'être proche de grands hommes de Dieu de notre génération, des personnes connues, de grandes onctions du pays ou d'ailleurs, les francophones comme les anglo-saxons. J'ai une vue un peu plus globale du corps du Christ pour comprendre certaines choses par rapport à la doctrine, par rapport au domaine charismatique, par rapport au domaine théologique, par rapport au mariage, par rapport aux relations avec les gouvernements, les autorités politiques, par rapport aux tentations, par rapport au combat, par rapport au découragement, par rapport aux attaques du monde spirituel, par rapport aux médias, par rapport au marketing, par rapport à l'organisation ministérielle, par rapport aux amis, par rapport aux connexions. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Ce matin, Dieu me disait quelque chose que j'ai aimé. Il me disait, si Paul a perdu Barnabas, je peux lui donner un Silas. Il y a des gens qui ont perdu des gens ici, mais Dieu va te donner d'autres gens qui vont te tenir la main et vont t'accompagner pour la prochaine étape. Parce que Dieu est capable d'enlever un Barnabas qui ne chantera pas avec toi dans la prison, mais un Silas qui sera à tes côtés, vous allez chanter, il y aura la conversion du geôlier dans cette prison-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, j'ai vu des trahisons, des filles spirituelles, des amis, de beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu nous permet encore de voyager, d'aller implanter les églises partout. Donc, j'ai un peu à vous partager par rapport au ministère. Et moi, je dis toujours, si quelqu'un appelle au ministère et il m'écoute, il va réussir. Je répète, si quelqu'un appelle au ministère et qu'il m'écoute, il veut seulement apprendre, il va apprendre. Si tu veux être là autour de moi, daddy, my father, tu ne poses pas des questions, je vais te regarder. Mais si tu me poses des questions, je peux te dire des choses qui vont vraiment t'aider. Parce que j'ai quand même de l'expérience dans ce travail. J'ai commencé ce travail très jeune. Et s'il faut seulement parler des choses du prophétique, en tout cas, le prophétique n'a pas de secret pour moi. Aujourd'hui, je le dis humblement. Il n'y a rien du prophétique que vous voyez ailleurs ou ici que je ne connaisse. Je ne connais pas tout. Je sais qu'il y a beaucoup à apprendre encore. Mais dans les grandes lignes, je ne pense pas qu'il y a des choses que quelqu'un peut faire qui va m'étonner. Je connais beaucoup de choses. Même pour prophétiser là, j'ai beaucoup d'ouverture pour prophétiser. Beaucoup. Quelqu'un me suit? Je vis avec des prophètes. J'ai des amis prophètes. J'ai des frères prophètes. Donc, c'est ainsi que j'ai décidé d'organiser des programmes. Et comme je suis pasteur de la Porte des Cieux, le ministère des jeunes de la Porte des Cieux ont décidé de me tenir la main. Et avec eux, on va commencer à organiser ici à la Porte des Cieux. Bientôt, on va même sortir des réunions qu'on appelle Fautiso. Dis avec moi Fautiso. Est-ce que la génération, elle est là? Vous êtes là? Dis avec moi Fautiso. Fautiso veut dire illuminer, briller, ou mettre en public, ou exposer. Je vais vous exposer des choses qui vont vous donner des lumières. Et ce soir, on a la première réunion. En tout cas, l'engouement qui est autour de ce programme, je n'ai jamais vu ça. Les jeunes se mobilisent partout. On aura Jonathan Mungongwa et Salo d'Adoration qui sera là. On aura le frère Joe. C'est difficile à prononcer. Joe? Pardon? C'est un frère extraordinaire. J'ai suivi ses prestations à Lubumbashi. Waouh! On dirait Kirk Franklin. Il est fort. Qui m'excuse d'avoir pas bien prononcé son nom, mais il est extraordinaire. Donc ce soir-là, on sera un peu aux États-Unis, un peu au Congo. Donc soyez là, 16h, tout à l'heure qu'on finit le culte, soyez là. Prenez part à ce programme. Même si vous êtes déjà, vous êtes adulte, la jeunesse est un état d'esprit, n'est-ce pas? Papa, maman, frères et sœurs, soyons tous là. Dis à ton voisin, je ne manquerai pas ce soir. On commence à quelle heure? 16h à. Dans tout cas, venez. Dis à ton voisin, Luaku, c'est en quelle langue? Chiluba. Luakwe. Dis à ton voisin, Luaku. Change de voisin, dis Luaku. En Kikongo, on dit? Hein? Bouissa. Kouisa. Dis à ton voisin, Kouisa. En Swahili, on dit? Kouya. Dis à ton voisin, Kouya. En anglais, on dit? Hein? Comment? Dis à ton voisin, ce soir, Fautiso. À partir de 16h. En tout cas, soyez branchés, soyez ici.
Dieu nous fera du bien. Je parlerai de la nouvelle génération émergente des ministres de Dieu. On acclame très fort avec la jeunesse. Mobilisons-nous ce soir. On aura une soirée vraiment, vraiment spéciale. Et tous ceux qui aujourd'hui ont apporté leur dîme, veuillez prendre vos enveloppes. Ou si vous n'en avez pas, vous allez demander au protocole qui est à côté de vous. Les protocoles circulent avec des enveloppes. Nous allons prier. Vous avez votre dîme, avancez, je vais prier pour vous. Vous avez votre action de grâce. Dîme, action de grâce, prémisse ou une offrande spéciale que vous avez prévu de faire à Dieu pour une occasion spécifique. Avancez rapidement, nous allons prier. Vous êtes en ligne, vous allez utiliser le lien PayPal, le code QR qui est sur l'écran, ou même les liens de transfert par mobile money. Avancez un peu proche de l'autel. On nous amène aussi les paniers à côté. Vous êtes venus au culte maintenant, vous n'avez pas donné l'offrande du culte. Préparez aussi votre offrande. Vous êtes venus à l'église, mais vous n'avez pas encore donné l'offrande que vous avez prévue pour le culte. Préparez l'offrande. Quand je vais prier, ceux qui sont devant vont déposer sur l'autel et vous allez avancer pour mettre dans l'un des paniers qui sera près de vous. Avancez rapidement, vous êtes en ligne, faites-le déjà. Je vais prier dans quelques minutes. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Avancez un peu rapidement, que Dieu vous bénisse. Nous préparons aussi nos offrandes là où nous sommes. On nous amène les paniers. Voilà, les paniers sont déjà là, dans les rangées. Attendez la prière. Dès que je termine, ceux qui sont en ligne peuvent déjà envoyer. Vous qui êtes dans la salle, vous allez avancer, mettre dans le panier. Et ceux qui sont devant vont déposer sur l'autel. Levez les enveloppes, commencez à prier déjà à Dieu. Chaque fois que je vois quelqu'un venir avec l'enveloppe, je suis tellement touché. Aujourd'hui, les temps ne sont pas faciles à Kinshasa. Mais voir quelqu'un qui a eu un 100 000 francs congolais dire à Dieu, je vais d'abord mettre ta part à côté, mettre ce qui te revient à côté. Je suis touché parce que je vois en cela un adorateur et une adoratrice, quelqu'un qui reconnaît la place de Dieu dans sa vie. Que le Dieu que je sers aujourd'hui, vous qui êtes en ligne ou ici, que ce Dieu-là vous bénisse. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ceux qui apportent leur offrande, afin que tu les arroses selon ta parole. Que les mains qui s'ouvrent soient celles qui ne manquent pas. Qu'elles ne manquent plus jamais, Seigneur. Et qu'en ce mois d'août, ce mois de recharge, qu'ils soient rechargés financièrement dans leur compte en banque, dans leur carte de crédit, même dans leur sac coffre-fort, que leur grenier soit rempli d'abondance. Je bénis ces hommes et ces femmes qui sont devant ici et ceux qui sont en ligne. Que le Dieu qui bénit, que le Dieu qui enrichit Abraham notre père, Isaac et Jacob, vous bénisse et vous multiplie. Que vous ne manquiez de rien. Je maudis les dettes. Je maudis tout blocage financier ou tout report. Il y a toujours des marchés qui viennent, mais toujours reportés. Il n'y aura plus de report au nom de Jésus. En ce mois d'août, vous allez semer et moissonner. Soyez bénis et que le Dieu que je sers vous donne au centuple ce que vous donnez aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Déposez sur l'autel, avancez avec les offrandes et envoyez en ligne. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Avec Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ici présent avec moi, Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel est là, ici présent avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
si présent avec nous. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec moi. On acclame pour Emmanuel très fort. Nous allons être debout dans la présence de Dieu pour lire les Écritures ce matin. Je vous souhaite la bienvenue encore à vous tous qui êtes en ligne. Soyez bénis, que le Dieu que je sers vous bénisse et vous multiplie. Et soyez bénis, vous qui êtes présents ce matin dans la maison du Seigneur. Amen. Je vous propose quelques textes de la parole de Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 19, Actes du Saint-Esprit par les apôtres, chapitre 19, verset 11 au 20e verset. Actes du Saint-Esprit par les apôtres, autrement dit Actes des apôtres, chapitre 19, verset 11 au 20e verset. Actes 19, verset 11 au 20e verset. Le lecteur va lire pour nous. Actes chapitre 19. À partir du verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Que Dieu fasse des miracles extraordinaires par tes mains. Amen. On dit Dieu faisait. Ce n'est pas Paul qui faisait, mais Dieu faisait par les mains de Paul. Lève juste ta main si tu peux. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui. Et vous voyez la différence? Il y a ce qu'on appelle miracle et ce qu'on appelle miracle et... Je ne t'ai pas entendu. On appelle miracle et miracle. Que Dieu fasse par tes mains des miracles extraordinaires. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies le quittaient, et les esprits malins sortaient. Waouh! Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux Remarquez bien, juste après l'histoire des linges qui touchaient le corps de l'apôtre Paul et ont posé ces linges sur des malades, ils étaient guéris et des démoniaques, ils étaient délivrés. On parle sans transition d'une histoire assez drôle dans les Écritures. Tu peux lire pour nous. 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous d'eux. Et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Dis avec moi la parole croissait. La parole croissait. En puissance. Et en force. Et en force. Nous allons lire quelques textes. Je donne à trois de nos pasteurs. Colossiens 2, verset 19. Colossiens 2, verset 19. Colossiens 2. À notre pasteur va prendre 2 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Et je vais lire un troisième personnellement. On peut y aller. Colossiens 2, verset 19. Colossiens 2, verset 19. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par jointure. Colossiens 2, 19. Yes. C'est ça? Yes. Ok. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Je pense que cela a été mal présenté.
Bon, lisons 2 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens 2, 9. 2 Thessaloniciens 2, 9, je lis au nom de Jésus. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges et de miracles mensongers. Tu peux encore relire, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens 2, 9, je lis au nom de Jésus. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. D'accord. Là où on dit par la puissance de Satan, c'est le mot énergia. Quelqu'un peut dire énergia. Énergia. Encore. Énergia. Donc on dit l'apparition de l'antéchrist, n'est-ce pas, yes, se fera par l'énergie de Satan. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Satan. Satan. A une énergie. A une énergie. Regardez ce que produit cette énergie. On y va. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Donc, l'énergie que Satan a peut produire de faux miracles, yes, des faux signes, yes, et de faux prodiges. Quelqu'un, yes, me suit? Yes. Dis à ton voisin, Satan, Satan a une énergie. A une énergie. Encore? Satan a une énergie. Dis à ton voisin, Satan, Satan a une énergie. A une énergie. Plus fort, Satan, Satan a une énergie. A une énergie. Pour la dernière fois, dit Satan, Satan a une énergie. A une énergie. Colossiens 1, verset 29. Colossiens 1, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Sa force, c'est le mot énergie. Dis avec moi, Paul a dit. Paul a dit qu'il avait une énergie. Qu'il avait une énergie. Qui travaillait en lui. Qui travaillait en lui. Aujourd'hui, Dieu te donne une énergie. Amen. Qui va travailler à l'intérieur de toi. Amen. On termine avec ce verset. Colossiens. Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. La foi en la puissance de Dieu. En la puissance de Dieu, ressuscité. En la puissance de Dieu. Puissance, c'est le mot énergia. Yes. Donc nous avons été ressuscités par l'énergie. Dis avec moi, Satan. Satan a une énergie. A une énergie. Dieu aussi. Dieu aussi a une énergie. A une énergie. Alléluia. Yes. On va terminer avec un verset que je vais lire personnellement. Je vais lire pour vous Éphésiens. Éphésiens 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'apôtre Paul est très compliqué des fois avec ses phrases. Mais quand vous lisez en grec, vous voyez qu'il fait allusion à plusieurs mots pour parler de la puissance. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Puissance là, entre guillemets, c'est dynamus. Amen. Ou bien dynamite. Dis avec moi dynamite. Dynamite. Quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, il parle de la dynamus. Une puissance qui fait de vous une dynamite. Et faites attention, la dynamite peut être toute petite, mais sa capacité à renverser un immeuble peut être très grande. Qu'on ne te méprise pas pour ce que tu es d'apparence. Parce que tu peux exploser à tout moment. Yes. Et je décrète et déclare, à cause de l'énergie qui vient sur toi, yes, tu vas exploser dans ta génération. Amen. Tu vas impacter ton environnement. Amen. Dis amen très fort que je t'entends. Amen. On dit, grandeur de sa dynamus se manifestant avec efficacité. Efficacité là, c'est le mot énergia. Par la vertu, vertu c'est iscus, j'en parlerai plus tard. Et de sa force, qui est le mot kratos en grec. Ne vous embrouillez pas, retenez seulement que efficacité, c'est énergia. Donc, Dieu a une puissance, une énergie. Satan a une puissance, il a une énergie. Et nous aussi, en nous, nous avons une énergie. Yes. Père, bénis ta parole ce matin, fais-nous du bien et permets que par le Saint-Esprit, nous soyons rechargés ce matin et préparés à ce grand rendez-vous que nous avons avec toi, cette semaine déjà qui commence
au week-end. Je prie par le Saint-Esprit, yes, Lord, que nous soyons éclairés et illuminés, yes, et que quelqu'un aujourd'hui ouvre son esprit pour recevoir les énergies qui viennent de toi. Yes. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur très fort. On peut éteindre un peu les ventilateurs, s'il vous plaît, ça me dérange. Dis à ton voisin, bon appétit. Qui est prêt pour la parole aujourd'hui? Balance juste les mains, je veux voir que tu es là. Dis avec moi les mystères de l'énergie spirituelle. Encore, plus fort, pour la dernière fois. Le jeudi 14 août 2003, il s'est passé aux États-Unis un événement assez rare, je dirais même rarissime. Un événement que dans nos pays africains et en RDC, nous avons coutume d'assister. Rare était cet événement aux États-Unis parce qu'il y a eu une grande coupure d'électricité qu'on a appelée méga panne, blackout. C'était un jeudi 14 août 2003. Donc ça fait exactement 20 ans que cet événement s'est passé en ce même mois d'août, 20 ans passés. C'était un 14. Cette grande catastrophe énergétique de l'histoire du continent a fait perdre aux États-Unis 6 milliards de dollars américains. Cette région de New York a été totalement plongée dans le noir. L'aéroport principal a été bloqué. Pas moyen d'atterrir, pas moyen de décoller. Les trains ont été bloqués, les ascenseurs ont été bloqués. Le système électrique, électronique, technologique, tous ces systèmes ont été bloqués. Le système même de communication a été bloqué. Tout a été bloqué. Plus de 50 millions de personnes ont été affectées par ce blackout. Et même une partie du Canada. Comme je vous ai dit, 6 milliards de dollars américains perdus. Et en cette nuit-là, plusieurs ont dormi dans la chaleur et pour éviter, certains sont allés dormir à même le sol à l'extérieur, à la belle étoile. Cette panne a touché le monde, par les États-Unis et notamment à New York. Mais une chose était drôle de remarquer. Pendant que ce blackout avait lieu, que tout le monde était dans le noir, on était assez surpris de voir qu'il n'y avait qu'un seul lieu qui était illuminé et qui illuminait. C'était ce grand monument que l'on appelle la Statue de la Liberté. On s'est posé la question, au beau milieu de cette grande crise énergétique, alors que l'énergie électrique n'était plus à même de communiquer avec le système électrique pour donner de l'électricité, pourquoi la Statue de la Liberté, étant dans ce contexte, elle n'a pas été touchée par ce blackout? Il n'y avait que quelques connaisseurs qui savaient, notamment ceux qui étaient du domaine. Ils savaient que la Statue de la Liberté, même étant dans ce contexte, n'était pas branchée, n'avait pas ses câbles connecté à l'énergie de ce contexte. Et les études ont prouvé que la Statue de la Liberté était plutôt connectée à la Pennsylvanie. C'est alors que tout le monde était dans le noir, la Statue de la Liberté continuait à recevoir de l'énergie parce que son énergie ne venait pas de cette ville. Son énergie venait d'une autre. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, nous sommes dans un temps où il existe dans notre génération un nouveau blackout. Les énergies sont en train de se perdre. L'amour d'un grand nombre diminue parce que l'iniquité est en train de s'accroître. Le psaume 60 nous donne un tableau du monde. Et Dieu dit, les ténèbres couvrent la terre. Je répète, les ténèbres couvrent la terre. Mais au beau milieu de ces ténèbres qui recouvrent la terre, Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre
est la lumière du monde. Et si j'aimerais vous dire, dans Jean 1, verset 1, il est écrit, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était donc avec Dieu au commencement. On dit tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Dis avec moi, la parole était la vie, était la lumière. Et dans le verset 12 de Jean, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Docteur Manu, généralement nous disons, quand on dit « elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu », généralement notre théologie nous dit « nous sommes les enfants nés parce que nous avons cru en la parole ». À vrai dire, ce n'est pas la parole. Elle leur a donné le pouvoir. On ne parle pas là de la parole, mais on parle de la lumière. La parole se limite au verset 2. Mais la suite parle maintenant. Mais on dit, mais il y a même eu un témoin qui était témoin de la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il était témoin de la lumière. En d'autres termes, nous avons cru en qui? Nous avons eu le pouvoir de qui? On n'a pas eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la parole, mais par la lumière. Voilà pourquoi aucun verset au Nouveau Testament ne dit « Nous sommes les enfants de la parole ». Mais on dit « Nous sommes les enfants de la lumière ». Parce que notre mère s'appelle... Ah, je parle à quelqu'un qui est ici. Notre mère s'appelle... Hein? Je parle à quelqu'un ici. Je dis « Notre mère s'appelle... » Notre mère s'appelle... Je décrète et déclare « Au milieu des ténèbres, tu vas régner. » Ta lumière va briller. Dis à ton voisin « Brille !» Car tu es lumière. Pasteur Daniel, j'ai suivi quelqu'un qui prêchait, il disait que la lumière est l'absence des ténèbres. C'est vrai que quand il n'y a pas de ténèbres, la lumière est là. Quand la lumière n'est pas là, les ténèbres sont là. Mais ce n'est pas une totalement vrai parce qu'on ne peut pas dire que quand les ténèbres n'existent parce que la lumière n'est pas là. C'est faux. C'est une définition évangélique. De croire qu'il fait noir parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est faux. Il est possible qu'on allume une bougie ici, mais il fait quand même noir. En d'autres termes, les ténèbres ne sont pas seulement l'absence de la lumière. Les ténèbres sont aussi une entité à part entière qui peut coexister avec la lumière. Ah, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a séparé. Pourquoi séparer? Parce qu'il y avait une saison de la création où les ténèbres ont cohabité avec la lumière. Et Dieu a dit, dis à ton voisin, bienvenue à Recharge 21. Dieu dit maintenant, je mettrai les ténèbres à côté, la lumière à côté. Et ce sont deux entités différentes. Et celle qui représentera les ténèbres, c'est la nuit. Représentera la lumière, c'est le jour. Je dis à quelqu'un ici, Troki Maté, les ténèbres sont là. Les enfants des ténèbres seront là. Mais nous aussi, nous allons briller ici, éclairer ici. Nous ne sommes pas les enfants de la parole, nous sommes les enfants de là. Et je décrète et déclare sur toi, autant que la statue de la liberté, malgré les ténèbres qu'il y a ici, nous ne sommes pas connectés à Inga 3. Nous ne sommes pas connectés à Zongo. Nous ne sommes pas connectés à Massina. Nous sommes connectés au ciel. Notre énergie vient d'en haut. Dites-moi ça, mon énergie vient d'en haut. Voilà pourquoi quand tout le monde manque de l'argent, tu ne peux pas manquer. Parce que ton énergie vient d'en haut. Quand tout le monde pleure qu'il n'a pas de quoi payer le taxi, toi je ne pleure pas parce que tu as de Lamborghini. Pourquoi? Parce que ton énergie vient... Tu es un arbre renversé dont les fruits sont sur la terre et la racine est dans les cieux. Dis à ton voisin, je suis un enfant de la lumière. Donne high five à 5 personnes, dis-moi que tu vois. Je suis un enfant de la lumière. Je ne crains pas le noir. Je ne crains pas les ténèbres. Parce que mon énergie, ma centrale électrique,
mon approvisionnement, mon renouvellement ne vient pas de mon environnement. Je suis connecté à une autre ville. On l'appelle la mère de tous, la Sion des cieux. Nous nous sommes connectés à Sion. Dis à tes voisins, je ne suis pas connecté à Ngaliema. Je ne suis pas connecté à Paris. Je ne suis pas connecté à Pennsylvanie. Dis à tes voisins, je suis connecté à Sion. Et je brille parce que je suis un enfant né de la lumière. Lumière du monde et celle de la terre. Acclame très fort et reçois cela où tu te trouves. C'est ainsi que la Bible déclare dans le psaume 92, verset 12. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Verticalement, les racines, d'un palmier vont jusqu'à 3, à 8, même à 15 mètres. Certains disent même qu'il y a certains palmiers qui vont jusqu'à 26 mètres. Alors que le palmier lui-même, on le regarder du début jusqu'à la fin. Mais le palmier est stable. Il peut être un peu élastique, emporté par le vent ici, emporté par le vent là-bas. Mais casser un palmier demandera un miracle. Pourquoi? Malgré qu'il peut être bougé à gauche, elle peut être bougée à droite. Ton foyer peut être bougé à gauche. Tes affaires peuvent être bougées à droite. Tu ne peux pas être cassé. Ce n'est pas à cause de la nature de ta solidité. La Bible déclare que les justes croissent comme un palmier. Tu es le palmier, pourquoi? Parce que la taille de tes racines est plus profonde que la taille de ta hauteur. Oh, tu n'as pas entendu. Dis à ton voisin, ce qu'il y a à l'intérieur est plus élevé que ce qu'il y a à l'extérieur. Dis à ton voisin, je suis un palmier, je produis de l'huile, je produis de l'ombre et je produis du repos. Que cela soit une histoire au nom de Jésus-Christ. Alors en parlant d'énergie, je parle ce matin de l'énergie spirituelle qui est peut-être comparée à l'énergie électrique. Et j'aimerais vous dire ici, par les textes que nous avons lus, le mot énergie n'est pas seulement un mot ésotérique aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui par exemple d'énergie, beaucoup de gens qui connaissent le New Age sont très sensibles et disent comment à l'église on peut parler de l'énergie, parler de Jésus, parler du ciel, parler seulement de la vie éternelle. Pourquoi vous parlez de l'énergie? Laisse-moi te dire, tout est énergie. Vous êtes réveillé ce matin, si vous aviez la fatigue, peut-être que votre mari, votre femme, votre enfant vous a dit « Sukolama apio », n'est-ce pas? Parce que si tu as de l'eau froide sur toi, cela va renouveler ou réveiller les énergies. Quelqu'un me suit? Lorsque tu es fatigué, on va te dire, si tu es soldat, on te dit au niveau du combat ou de l'armée, on ne mange pas tout, n'est-ce pas? Mais il y a des repas spécifiques qu'on donne aux soldats. Pourquoi? Parce que ces repas-là contiennent des énergies qui peuvent donner aux militaires de tenir longtemps, que ce soit en liquide ou que ce soit en glucides, lipides ou en protéines ou autres. On donne des nourritures spécifiques qui peuvent donner à l'homme de l'énergie. Même dans les salles de sport aujourd'hui et de musculation, il y a des comprimés qui peuvent vous donner non seulement de la masse musculaire, mais qui peuvent vous donner de l'énergie. Et même en faisant du sport, on vous dira, vous en perdez beaucoup. Pour en récupérer, voici ce qu'il faut manger et ne pas manger pour avoir de l'énergie. Vous avez un téléphone entre les mains, dans votre sac peut-être une tablette. Vous me suivez en ligne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie dans votre téléphone, dans votre cellulaire, dans votre ordinateur et même à la télévision alors que vous suivez YouTube. Dis avec moi énergie. Dis à ton voisin, toi aussi, tu as de l'énergie. Est-ce que quelqu'un a de l'énergie ici? Balance les mains, dis j'ai de l'énergie. Au-delà de l'énergie physique, vous devez savoir énergia que Paul utilise veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il existe une énergie. On parle de Satan. Satan donnera à l'antichrist une énergie par laquelle il fera des signes, des prodiges et des miracles. On parle de Dieu qui donne une énergie. On dit même que Dieu a envoyé vers eux une puissance d'égarement. Puissance, là, c'est le mot énergie. Donc, ils vont commencer à s'égarer, mais ne savent pas. Il y a une énergie qui est venue de Dieu sur eux qui les pousse à s'égarer.
qui les pousse à aller plus loin de la vérité. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, l'énergie existe. Et le mot énergie dans le Nouveau Testament est surtout défini comme le mot en français force. Dis avec moi force. Encore? Encore? Luc 8, verset 46 dit ceci. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Jésus marchait et allait prier pour la fille de Jairus. En chemin, il est interrompu par une femme. La femme touche Jésus et Jésus dit, j'ai su qu'il y avait une force qui est sortie de moi. Comment Jésus a-t-il su? Parce qu'il a senti que la force l'a quitté. Il a senti que l'énergie l'a quitté. Dis avec moi, l'énergie se sent. J'aime bien ceux qui disent, non, la foi. Laisse-moi te dire, la foi est vraie, oui. Mais il arrive un moment dans les expériences spirituelles, on doit sentir. Oui. Ce n'est pas de la psychologie. Quand Dieu est là, il est écrit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il arrivera toujours quand le Saint-Esprit est là, quand il se meut, quand il se manifeste, quand les énergies sont à l'œuvre, même ton corps physique peut sentir cela physiquement. Dis à ton voisin, physiquement. Apocalypse 1, lorsque Jean est tombé, Jésus l'a touché. Quand Jésus l'a touché, ce n'était pas avec une main physique. Il était déjà en esprit. Comment a-t-il senti que Jésus l'a touché? Parce que dans le monde spirituel, autant que tu as 5 sens physiques, tu as aussi 5 sens spirituels. Tu as la vue spirituelle. Tu as l'ouïe spirituelle. Tu as l'odorat spirituel. Tu as le goût spirituel. Tu as aussi le toucher spirituel. Ézéchiel 40, verset 1 à 4. L'ange dit à Ézéchiel, vois de tes yeux et entends de tes oreilles. Prête attention à tout ce qu'on te montrera ici, parce que c'est la raison pour laquelle tu as été emmené pour annoncer ça aux enfants d'Israël. Ézéchiel 40, verset 4. Il était déjà transporté en esprit. Avec quels yeux voyait-il? Avec quelles oreilles voyait-il? Il avait une vue spirituelle. Il avait une ouïe spirituelle. Quelqu'un dira, et le goût spirituel? Comment quelqu'un parle le goût spirituel? L'Apocalypse, on dit, mange ce livre. Il sera comme du miel, aïe, 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 dans ta bouche. Il ne mangeait pas avec la bouche physique. Il mangeait avec la bouche spirituelle et il pouvait savoir qu'à l'intérieur, c'était amer, mais dans la bouche, c'était comme du miel. Dans le monde spirituel, Job dit, un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent. On peut sentir qu'un esprit est passé. On peut sentir qu'il y a une présence maléfique ici. On peut sentir qu'il y a des mauvaises énergies dans cette chambre d'hôtel, mauvaises énergies dans cette nouvelle maison qu'on a eu à payer pour. Dis à ton voisin, tu vas sentir des énergies. Alléluia. Les énergies, ça se sent. Et Jésus a senti qu'une force l'a quitté. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Qu'est-ce qui guérissait les malades? C'était une énergie. Une énergie guérissante. Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons. Pourquoi on fait la différence entre pouvoir et force? Parce que force veut dire effectivement l'énergie. Dis à ton voisin, les apôtres avaient reçu l'énergie. En d'autres termes, l'énergie est transférable. Quelqu'un peut avoir une énergie et volontairement vous donner cette énergie-là. Voilà pourquoi faites attention aux associations. Faites attention aux rencontres. Faites attention aux liaisons. Faites attention aux rapports sexuels. Parce que quelqu'un, en s'approchant de toi, peut te transférer une certaine énergie. Quelqu'un peut dire amen? Luc 21, verset 36, il est écrit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. » Frère, il y a des choses qui vont arriver sur la terre. Et pour ceux qui vont échapper à cela, qui vont affronter cela, ils devront avoir une certaine énergie. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. On va te dire, à la maison il y a la clim, mais si tu sors, il fera chaud. Prends cette bouteille d'eau, pars avec. Parce que quand il fera chaud, tu peux mettre de l'eau sur le visage, tu peux boire de l'eau. Pour avoir quoi de? Quoi? Frère, les temps qui viennent sont mauvais sur la terre. Les chrétiens qui vont tenir de la pureté, de la constance, de la stabilité, doivent avoir reçu une énergie particulière. Aujourd'hui et durant Recharge, Dieu te donne une énergie particulière. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Pourquoi précise-t-on
et du Saint-Esprit et de force. Le Saint-Esprit est une personne, mais la force est une énergie. Tous les miracles que Jésus faisait, les gens qu'il délivrait de l'emprise du malin, qu'il guérissait parce que Dieu était avec lui. Certes, Dieu était là par le Saint-Esprit, mais Jésus avait aussi la force, bien qu'on appelle l'énergie. Dis avec moi, énergie. Encore, encore, encore. 1 Roi 19, verset 4 à 8. Verset 19 aussi. Nous avons lu avec vous. Nous avons lu ce texte. Non. 1 Roi 19, verset 4 à 8. On va lire ce texte. Un roi 19, verset 4, je lis au nom de Jésus. 4 à 8 et verset 19. Un roi 19, chapitre 19, à partir du verset 4 à 8. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée des marches, il s'assit sous un gêné et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un gêné. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Yes. 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture... Et avec la force que lui donna cette nourriture, il fit quoi? Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Lorsqu'on parle des hommes qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits, on parle de qui et qui? On parle de Moïse qui a fait 40 jours fois 2. On parle d'Élie le prophète et on parle de Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, on dit que Élie a marché 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire un mois et 10 jours. N'est-ce pas? Sans manger ni boire, matin et soir, il ne faisait que marcher. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, six semaines. Il marchait sans boire ni manger, peut-être même sans dormir. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il a mangé un repas spirituel. Il a bu un breuvage spirituel et on dit avec la force que lui a donné ce qu'il a consommé. Il a eu une énergie. En grec, c'est le mot kratos. Kratos, c'est le mot puissance qui veut dire force physique. Frère, Dieu est capable, tu sais, pour être un homme de prière, il faut avoir le kratos. Kratos, c'est la puissance de Dieu mais qui donne la force physique. Tu es capable d'être ici comme un homme qu'on appelait Babalola. Babalola au niveau du Nigeria. Avant Idaho, ça cet homme était. Il se tient debout jusqu'à aujourd'hui. Là où il a posé les pieds, la terre s'était enfoncée. Il commence à prier 8 heures. Il prie, prie, les gens prient avec lui. La prière se termine, les gens partent, lui continue à prier. Les gens reviennent demain, il prie. Après demain, il prie. Après demain, il prie. Dis avec moi, Kratos. Kratos. Que Dieu te donne l'énergie physique. Amen. L'endurance de prier longtemps. Amen. Frère, il y a des énergies qui n'augmentent pas après une heure de prière. Il y a des énergies qui n'augmentent qu'après 8 heures de prière. Yes. Qu'après 10 heures de prière. Qu'après 20 heures de prière. Je décrète et déclare sur toi que Dieu te donne l'énergie physique. Amen. De tenir longtemps sans dormir. Amen. Longtemps sans somnoler. Yes. De lire la Bible, de finir tout un livre. Amen. 2-3 livres par jour. Sans avoir à somnoler. Reçois la force physique. Amen. Pasteur Bilga, il a reçu la force. C'est le même thème qui revient en parlant de la force, qui veut dire énergie. Dis à ton voisin, aujourd'hui, Dieu te donne de l'énergie. Dieu te donne de l'énergie. Je vous lis un autre verset. Nous sommes encore dans les Écritures. Il est écrit dans Psaume 84, verset 7, il est écrit, « Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Est-ce que ceux de Sion sont là? On dit « Leur force augmente pendant leur marche. » Frère, on ne parle pas de la force physique.
on parle de la force spirituelle. Laisse-moi te dire, une des clés d'augmenter l'énergie spirituelle, ce n'est pas toujours de se mettre à part sans travailler. Des fois, l'énergie spirituelle augmente à force de travailler. Oh, come on. Des fois, l'augmentation de l'énergie ne se fait pas parce que tu dis « Nati Kinyos, je vais en retraite, je ne ferai rien ». Des fois, l'énergie spirituelle augmente pendant que tu travailles. Car il est écrit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Je ne remplis pas une bouche fermée. Mais quand tu ouvres la bouche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche, Dieu donnera toujours quelque chose parce que leur force augmente pendant la marche. Allons encore dans les Écritures avec moi, psaume 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Je t'ai pas entendu. Renouvellent. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, ce terme force parle de l'énergie spirituelle. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es là, tu sers Dieu, tu pries, tu avances dans les choses de Dieu. Mais l'un de tes grands problèmes, c'est que tu ne sais pas, tu ne connais pas la valeur d'augmenter ton énergie. J'ai parlé au pasteur ce matin, alors qu'on priait ce matin, quand je priais avant de me lever du lit, l'Esprit de Dieu m'a donné le texte qui dit « Ne vous enivrez pas de vin seulement, car cela mène à la débauche, mais soyez, en grec on dit continuellement, rempli du Saint-Esprit. » Alors la question que je vous pose, être rempli du Saint-Esprit veut dire quoi? Honnêtement, Jésus-Christ habite en toi, n'est-ce pas? Qui a déjà reçu Jésus ici? Est-ce que si je fais l'appel au salut, tu viendras encore recevoir Jésus? Pourquoi? Il est en toi. Ce n'est pas comme un frère qui disait, lui, toutes les églises où il part, qu'on dit recevoir Jésus, lui vient. Un jour, vraiment, un pasteur là dit, papa, calme-toi. Toi, tu vas dans toutes les églises où on te voit là, tu reçois Jésus. Il dit, papa, j'avais reçu, tu as reçu le pied de Jésus, la tête, après là-bas le corps. Il dit, papa, je veux que Jésus me remplisse pleinement. On dit, non, Jésus est entré en toi une fois. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Qui a le Saint-Esprit en lui? Alors pourquoi nous aussi on doit venir pour être rempli du Saint-Esprit? N'est-il pas en toi? Pourquoi alors on doit être rempli du Saint-Esprit alors qu'il est en nous pleinement? Qui croit que la personne du Saint-Esprit habite en lui? Alors pourquoi tu dois être rempli de lui? Tu n'es pas rempli de lui? On a reçu une partie? On doit toujours en recevoir? Non. Quand on dit rempli du Saint-Esprit veut dire simplement être rempli de l'énergie du Saint-Esprit. C'est ça en fait. Le Saint-Esprit habite en toi pleinement. Il est pleinement en toi. Mais son énergie doit être renouvelée. Dis amen très fort. Tu es comme un véhicule. J'aime beaucoup un camion que j'ai vu un jour à Minzozo. Non, j'habitais à Gébé. Je me réveille le matin, je vois un camion. Et derrière le camion, on met vérifier Maïna Oil. Maïna Oil. Donc j'ai compris directement dans le camion, avant de faire quoi que ce soit, on doit ouvrir le capot, vérifier l'eau et vérifier l'huile. Laisse-moi te dire, ce que tu as apporté comme un camion est trop grand sur toi. Tu as des responsabilités, tu as des charges, tu as un appel, tu as une grande vision que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas avancer sans avoir été renouvelé. Même la voiture a besoin de revoir des fois la batterie. Parce que si la batterie perd de l'énergie, même si tu as le carburant, hein? Même si tu as le carburant, même si tu as l'huile, tu n'iras nulle part. Il y a des gens qui ont l'onction sans l'énergie. Hein? Il y a des gens qui ont la puissance de faire des miracles, mais n'ont pas l'énergie spirituelle. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui ont les dons spirituels, mais n'ont pas l'énergie spirituelle. Ils ne sont pas assez remplis d'énergie. Et laisse-moi te dire, quelqu'un qui est rempli d'énergie, même ses dons spirituels travaillent différemment. Un téléphone peut avoir tous les paramètres et les capacités, mais manquer d'énergie. Tu peux être prédicateur sans énergie, prophète sans énergie, chantant bien, mais ta voix n'a pas d'énergie. Ce qui fait la différence entre une belle voix et une voix remplie d'énergie, c'est ce qu'on sent. On ne sait pas expliquer, mais frère, on peut tout tromper, ce qu'on a senti quand on a vu quelqu'un travailler. D'ailleurs,
l'homme ne retient pas ce qui s'est passé. Il retient ce qu'il a senti quand ça s'est passé. Remarque bien, toutes les phrases que tu as retenues dans ta vie ne sont pas les plus belles phrases. Les phrases que tu as retenues jusqu'aujourd'hui sont les phrases que tu as retenues parce que tu sentais des choses quand tu les entendais. Tu n'as pas compris. Toutes les phrases que tu as là, que tu as retenues dans ta vie, n'est-ce pas, ne sont pas les plus belles phrases, les plus sages phrases. Mais tu sentais des choses qu'on te les disait. Voilà pourquoi tu les as retenues. Aujourd'hui, on a beaucoup de bons chantres, beaucoup de bons prédicateurs et de bonnes prédicatrices. Mais on peut sentir qu'ils ne dégagent pas, n'est-ce pas? On ne sent pas l'énergie. Dis avec moi, énergie. Voilà pourquoi dans Recharge 21, nous allons venir. Pourquoi? Pour remplir notre esprit, notre âme et notre corps. Dis avec moi, amène bien. Dis à tes voisins, même ton corps doit être rempli d'énergie. Baisse le son là, ce son là me fatigue un peu. Dis à ton voisin, on n'est pas rempli du Saint-Esprit que dans l'esprit. Mais oui. Dans l'évangélisme, on vous dira quoi? Où habite le Saint-Esprit dans ta vie? On te dira, le Saint-Esprit habite ton esprit. C'est faux. Ne savez-vous pas que votre corps... Le Saint-Esprit n'habite pas que ton esprit. Il habite ton âme. Il habite aussi ton corps. Hein? Oh. Regarde-moi ça, mon corps est la maison du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, excusez-moi, ce que je veux dire est sérieux. Je prends le risque de le dire. Je n'ai rien contre les tatouages. Je n'ai rien contre ceux qui mettent des tatouages. Je ne refuse pas. Mais dans Ézéchiel 8, lorsque le prophète est emmené en esprit, il voit dans le sanctuaire plusieurs dessins qu'on avait mis sur les murs du sanctuaire. Des images d'abomination. Je répète, ceux qui mettent des tatouages, je n'ai pas de problème avec vous. Je ne suis pas là pour vous juger, mais j'aimerais vous dire seulement. Il y a des images que Satan instruit aux gens de mettre sur leur corps, parce que leur corps est la maison de Dieu, afin qu'ils reproduisent ce qui a chassé la gloire dans Ézéchiel 8 de la maison de Dieu. Il n'y a pas que ce que tu fais à l'intérieur qui chasse Dieu. Il y a aussi comment tu traites ton corps physique. Oui, oui. Oui, oh, le corps c'est rien, c'est ça. Dieu ne regarde que l'esprit, c'est faux. Dieu regarde aussi ton corps. Voilà pourquoi dans les œuvres de la chair que Dieu punira par la mort, il y a aussi ce qu'on appelle les excès de table. Pourquoi Dieu doit considérer le fait que tu as trop mangé, tu as trop bu et c'est une œuvre de la chair? Papa, parce que même ton corps là, l'état de ton corps détermine l'état de ton esprit. Comment? Il est écrit, lorsque notre corps est détruit, notre être intérieur est renouvelé. C'est comme le jus. Quand tu prends une orange et que tu presses l'orange, 1, tu as déformé l'orange. 2, tu as réduit l'orange. Mais 3, tu as relâché le jus. Frère, il y a des choses que Dieu a mis en toi qui ne peuvent sortir que quand tu traites durement ton corps. Il faut que le vase d'albâtre soit brisé pour que le parfum qu'il y a dedans soit. Dis à ton voisin, ton corps est important devant Dieu. Tu ne peux donc pas t'habiller comme tu veux, traiter ton corps comme tu veux, parce que ton corps, là aussi, Dieu habite dans tes membres. Dis à ton voisin, Dieu habite dans tes membres. Dis à ton voisin, 21 jours, je vais traiter durement ce corps, car le parfum doit se répandre. Dis amen très fort. Donc, l'énergie doit remplir ton esprit, doit remplir quoi aussi? Ton âme et ton... Dis à ton voisin, les temps sont venus où des miracles se feront par mes mains. Parce que mon corps va posséder l'énergie. La Bible n'a, je vous mets au défi, la Bible n'a jamais dit vous priez pour les malades et seront guéris. Never. On n'a jamais dit vous prierez pour les malades. Ce n'est pas dans la Bible. Mais on dit vous ferez quoi vous? Vous ferez quoi vous? Je t'entends, vous ferez quoi vous?
Mon fils, viens, 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 viens. Jésus a dit, Marc 16, verset 15 à 17, il dit, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas, celui qui sera condamné. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils feront quoi? Un, ils chassent. Non. D'abord les démons. D'abord les démons. Ils chasseront quoi les? Quand Jésus était sur la montagne de transfiguration, il allait se connecter à quoi? À l'énergie solaire. Hein? Son visage a été métamorphosé. Elle brillait comme le soleil. Pourquoi? Parce qu'au bas de la montagne, il y avait un enfant lunatique qui était combattu par l'esprit de la lune. Je parle à quelqu'un ici. Entre le soleil et la lune, qui est le chef? Frère, Jésus, comme le soleil est descendu vers la lune, et pendant que les disciples étaient en train de trembler, le démon est sorti. Il a dit, mais pourquoi nous on n'a pas pu chasser? Il a dit, vous avez eu le pouvoir, mais l'énergie était peu. Il faut traiter le corps différemment, il faut jeûner pour que l'énergie augmente, parce que cette catégorie d'esprit demande un autre type d'énergie. Dis à ton voisin, les combats que tu as. Non, lève-toi. Tiens, dis voisin. Les combats que tu as. Le combat que tu as. Tu ne vas pas les vaincre. Avec les anciennes énergies. Tu as besoin de nouvelles. Tu as besoin d'énergie. Une nouvelle force. Un nouveau pouvoir. Une nouvelle onction. Un nouveau revêtement. Dis amen bien là où tu es. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue à Recharge 21 là où tu es. Bienvenue à Recharge 21. Avance, prophète. Jésus est allé jusqu'à la montagne. Faire quoi? Prier. Se recharger. Se connecter comme le soleil. Et il a vaincu la lune. L'énergie que donne le soleil peut donner à nos maisons d'être comme la journée, la nuit. Par l'électricité qui a été contenue en énergie. Par les panneaux solaires. Bienvenue dans Recharge 21. Frère, la prière c'est bien. Même si Dieu est avec toi, si tu pries moins, tu vas tomber devant la tentation. Il est écrit, veillez et priez afin que vous ne puissiez pas. La Bible est vraie. Moins tu pries, même si Dieu est avec toi, moins tu pries, moins tu es fort devant la tentation. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, prayer. Tiens ton voisin violemment, dis voisin. Voisin. Prayer. Toko bonde la. Toko bonde la. La basa brado bareba. La braba basa. Jésus lui-même, notre Seigneur, même Jésus lui-même priait. Qui es-tu pour ne pas prier? Jésus qui avait l'esprit sans mesure avait besoin d'aller prier. Qui es-tu pour ne pas prier? Come on. Yo nani. Baba mari misamo. Yo nani. Yo nani osambelate. Dieu me dit de te dire, tu es en train dans une nouvelle saison. Yes. Mais tu veux te comporter comme dans l'ancienne saison. Come on. Ton problème c'est que tu es déjà entré dans une nouvelle saison, mais tu veux prier comme dans l'ancienne saison. Ça ne marchera pas. Tu as une nouvelle saison, de nouveaux défis, de nouveaux combats. Il y a des combats de célibataires, aussi des combats de mariés. Il y a des combats quand tu vis chez les parents, des combats aussi quand tu vis seul. Yes. Tu me comprends? Il y a des combats quand tu es à l'école, des combats quand tu es à l'université. Yes. Des combats quand tu n'as pas un travail et des combats que tu as dans un travail. Yes. Il y a aussi des combats des âges. Quelqu'un le sait? Yes. À 20 ans, on n'a pas les mêmes combats qu'à 30 ans. Right. Il y a des gens, quand tu arrives 50 ans, tu as d'autres combats que les gens de 20 ans n'auront pas. Quelqu'un me comprend? Yes. Tu ne peux pas vivre dans la nouvelle saison comme quelqu'un qui est dans l'ancienne saison. Avance, prophète. C'est une chose que Dieu m'a dit. C'est la vérité. On est allé, la porte dessus, elle est à une autre. On ne peut pas prier comme on priait avant. Yes.
Dis à ton voisin, prayer. Prayer. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie. Là où je vais. Là où je vais. Est très dangereux. Est très dangereux. Dis à ton voisin, là où je vais. Là où je vais. Il y a trop de combats. Il y a trop de combats. Dis à ton voisin, là où je vais. Là où je vais. Il y a d'autres esprits. Il y a d'autres esprits. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie. Énergie. Que Dieu te donne l'énergie. Amen. Voilà pourquoi la prière est le connecteur principal. Yes. Lire la Bible, c'est bien, mais sans la prière, c'est rien. C'est comme lire un livre d'histoire, lire un livre théologique, lire le Coran ou un autre livre religieux. Remarquez bien, la vie chrétienne là, quand il n'y a plus de prière, il n'y a plus rien. Yes. Yes. Pourquoi? Il y a une différence entre la relation et la communion. Yes. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu es en relation avec Dieu. Yes. La relation est là. Tu es son enfant et il est ton papa. Yes. Maintenant, le fait de parler avec ton père, d'écouter ton père, d'obéir à ton père, de faire ce qui lui plaît, de passer du temps avec lui, là ce n'est plus la relation, mais c'est la communion. Lorsque tu pèches, ta relation avec Dieu n'est pas coupée, mais ta communion avec Dieu. Pourquoi alors que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous exige de prier? Pourquoi? Pourquoi Dieu te dit, tu dois prier, augmente ta vie de prière, va en retraite, prie. Pourquoi? Il est en moi, je suis en lui, je veux parler, ça suffit. Pourquoi Dieu veut qu'on parle? Parce que même dans un mariage, il ne suffit pas d'avoir passé la bague au doigt et dire que tu es ma femme, juste ton mari. Si vous ne parlez pas, elle sera toujours ta femme, il sera toujours ton mari, mais il n'y aura pas de mariage. Parce que sans communication, vous revenez à l'étape comme si vous étiez célibataire. Un chrétien sans prière n'est pas différent d'un païen. Yes. Yes. Les mariés sont là. Yes. Si je ne parle plus avec ma femme, on fait un mois sans parler, deux mois sans, trois mois sans parler, même s'il y a l'amour, l'amour va baisser. L'amour va diminuer. Tu commences à parler aux gens avec qui tu ne dois pas parler. Pourquoi? Laisse-moi te dire. Ce qui donne la force à la relation, c'est la communion. Si aujourd'hui tu sors ici, avec ton père, tu ne t'entends pas. Hein, quelqu'un va te taper au quartier. Papa peut intervenir. Ce n'est pas la communion, mais c'est la relation. Il y a des choses que Dieu continuera à faire pour toi parce que tu es toujours sa fils, son fils et sa fille. Mais les clés de la maison, il ne te donnera pas ça. Les secrets de la famille, il ne te dira pas ça. Les responsabilités, il donnera à celui qui obéit toujours, même s'il est moins âgé que toi. Est-ce qu'un parent peut me comprendre ici? Il y a des choses pour fermer la maison. Il sait que l'aîné de la maison dort toujours tôt. Mais c'est la cadette qui est éveillée. Elle veille sur les portes qui sont fermées. Elle fait, n'est-ce pas? Et c'est à cette personne-là qu'on dit, viens, tu garderas mon argent. Quelqu'un me suit? Un de mes fils qui est protocole, jetait son nom ici pour ne pas créer des problèmes dans sa famille. Son père lui confie toujours l'argent. Il n'est pas l'aîné. Mais le fait, papa, vu que je le confie, il est fidèle. Et c'est à lui que je donne l'argent que j'ai. Je peux donner même 1000 dollars, même 100 000. Je reviens après une année, il va me donner ça. Très fidèle. En plus, un bon Mokongo. Fiotikara. Donc, il garde bien. Que Dieu bénisse les Bakongo. Parce que si vous les mettez dans les finances de l'église, ça réussit toujours. Ah oui. Quelqu'un peut mourir avec 30 000 dollars dans la ceinture, mais il dit qu'il n'a pas l'argent. Bienvenue en RDC. Richesse culturelle. Ah, c'est une richesse culturelle. Mon fils là, c'est un bon Mokongo. Moi, je ne fais pas confiance aux gens. Mais lui, je vais me dormir. Zambon. Il va. Papa, la bombe qui dit dollar nayo, apesio. Pourquoi? La confiance que son père a eue. Moi, si je l'ai vu, je l'ai éprouvé des années. Quelqu'un comprend ce que je vais vous dire? Dieu peut. Tu peux toujours être son enfant. Dieu te garde dans la maison. Tu as toujours droit à l'héritage. Mais les avantages du quotidien, il commencera à donner à d'autres pasteurs, à d'autres prophètes, à d'autres femmes de Dieu, à d'autres servants de Dieu. Il est possible d'être disqualifié par soi-même. Dieu a dit des choses sur toi, mais tellement que tu es lent, tu n'es plus digne de confiance. Dieu donne à quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin,
La relation est bonne, mais la communion est mieux. Même de la communion, maintenant, on parle. On parle matin, on parle midi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit prier sans cesse. Les juifs prient 3 fois par jour, à l'instar de Daniel. Les musulmans prient 5 fois par jour. Même dans les aéroports, ils prient. Mais ce que j'aime, on était même dans l'avion avec maman dernièrement, on a pris Turkish. On regarde là où il y avait des films. On a mis même une section où il y a le Coran. Écoutez le Coran dans l'avion. J'ai dit, hé, ces musulmans sont forts. Il y a même le Coran dans l'avion. Donc, tu as les films, oh Marvel, oh John Wick, tout ça. Mais tu regardes quelque part là, le Coran est là. Pâques, tu écoutes le Coran, le Saint-Coran. Paul a dit, pour les autres c'est 3 fois, pour les autres c'est 5 fois, mais vous priez sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas l'habitude de la prière, mais c'est l'attitude de la prière. Je suis sous la douche. Il est écrit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Quand je chante sous la douche, quand je sens, je chante et que je suis au volant, je suis en train de prier. Daniel devait regarder à la direction de Jérusalem. Mais les temps viennent et ils sont venus. Où les vrais adorateurs n'adorent pas sous la montagne. Ils n'adorent pas à la porte des cieux. Partout où ils sont, du lundi au dimanche, avant de venir ici, ils sont déjà en train de ramener ses pays. De liamasopratiae. Le lepa le sopra liamasova. Ale mandela mandolo mandila malema la yele. Ozozo palia mandela makoba. Ayaso karababaya. Dis à ton voisin, prie sans cesse. Je parlais avec un prophète qui m'a fait plaisir avant-hier. Il m'a dit, prophète Joël, moi je prie chaque heure 12 minutes. Chaque heure, je prie 12 minutes. Donc si c'est 9h à 10h, il a prié 12 minutes. De 10h à 11h, il a prié 12 minutes. Le prophétique ne s'entretient que dans la prière. Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. Dieu nous appelle par son esprit. Ici, durant 21 jours, nous allons venir prier comme jamais on a prié. Nous allons jeûner comme jamais on a jeûné. Et l'énergie que tu auras garantira tes 30 prochaines années de vie chrétienne. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. S'il dit, je reçois, je reçois. Je reçois. Dis je avec reçois. Moi, énergie. Énergie. Dis encore énergie. Énergie. Bouge, 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 bouge. Énergie. Non, bouge, bouge là où tu es. Tamola, tamola, tamola. Énergie. Les retraites sont une bonne chose. Les veillées sont une bonne chose. Les 21 jours sont une bonne chose. Il y a nous qui sommes des bonnes choses. La prière, encore la prière, est toujours la prière. On peut dire ensemble, la prière, encore la prière, toujours la prière. On reprend une, trois. La prière, encore la prière, est toujours la prière. Plus fort. La prière, encore la prière, est toujours la prière. Plus fort. La prière est toujours. Ferme le poing comme ça, dit encore une, deux, trois, go. La prière. La plus fort. La prière, encore la prière est toujours. Pour la dernière fois. La prière, encore la prière est toujours. 60 secondes, commence à prier là où tu es. 60 secondes. C'est dans la prière que j'ai l'énergie. C'est dans la prière que j'ai la force. Dans la prière. Prayer. 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 Énergie.
La prière est la solution. La prière, la prière, la prière. Nous allons vaincre dans la prière. Monter dans la prière. Au nom de... Battez les mains une fois, deux fois, trois fois. Tiens-moi mes lunettes. Il y a l'énergie ici, hein? Même sur mes lunettes, il y a l'énergie. Tiens, 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 tiens. C'est déjà entré, c'est déjà entré. Il y a avec moi l'énergie. Cette énergie enlève le diabète, la prédisposition du diabète dans ton corps qu'il y avait dans le corps de papa. Je vois un papa dans la famille qui avait le diabète. C'est qui? Je vois un papa, je n'ai pas dit ton père, un papa dans la famille. Un papa dans la famille qui avait le diabète. Tu ne sais pas? C'est moi qui Alphonse te le dis. Alphonse prophète. Cette énergie vient de détruire la prédisposition au diabète. Amen. Tiens ça. Dis l'énergie. Yes. On dit, l'apôtre Paul, extraordinaire. Écoutez-moi. On dit, l'apôtre Paul était tellement rempli d'énergie. Amen. Qu'on prenait même des linges. Mon fils Joseph, viens. Viens, 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 mon fils. On prenait des linges. C'est toi l'apôtre Paul, hein? On prenait des linges qui touchaient le corps de l'apôtre Paul. Et quand on les posait sur des malades, la Bible déclare la maladie qui était dans les corps quittait les corps. Parce qu'un linge qui avait touché un homme dans le corps, je vous ai dit, l'énergie remplit aussi le corps. Le corps, l'énergie qui était dans le corps entrait dans le linge et on posait sur le corps de l'homme, la maladie partait. Yes. Et plus, quand cette personne avait des démons en elle, les démons quittaient les corps. Attendez avec moi, s'il vous plaît. Quelle est la méthode pour guérir un malade? Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et le malade sera guéri. Est-ce qu'un linge a des mains? Que faut-il faire pour chasser un démon? Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Est-ce qu'un linge a une bouche pour chasser un démon? Non. Mais le linge qui avait l'énergie, sans main, sans bouche, guérissait les malades. Yes. Et chassait les démons. Yes. Le texte après dit, d'une famille de principaux sacrificateurs, un homme avait des fils, sept fils, qui sont allés voir aussi quelqu'un qui avait des démons. Ils ont dit, nous sommes déjà d'une lignée sacerdotale. Et au nom de Jésus-Christ, ils ont utilisé la bouche et même les mains de, que Paul prêche, sort. Le démon a dit, je ne sors pas. Le démon a saisi le corps de l'homme, a pris ses hommes, les a tabassés, dénudés et chassés. C'est un texte qui me scandalise, docteur Manon. Pourquoi Luc a pris le soin de jumeler ces textes? C'est pour nous dire quelque chose qui est terrible. Oui, c'est un texte très dangereux. Comment des hommes qui utilisent le nom de Jésus ne chassent pas un démon? Mais un linge qui n'a pas le nom de Jésus chasse un démon. Frère, un homme de Dieu, même s'il utilise le nom de Jésus, même s'il est fils de pasteur, même s'il connaît Daddy Joël ou bien son Paul, s'il n'a pas de l'énergie, il ne vaut pas le niveau d'un linge qui a de l'énergie. Est-ce que Jésus est mort pour un linge? Est-ce qu'un linge a reçu Jésus? Est-ce qu'un linge a la vie éternelle? Est-ce qu'un linge ira au ciel?
Est-ce qu'un linge est lavé par le sang de l'agneau? Mais ce linge avec l'énergie était plus puissant qu'un fils de pasteur au nom de Jésus. En d'autres termes, qu'est-ce qui chassait les démons et les maladies? L'énergie a une bouche. L'énergie a des mains. L'énergie crie plus que la voix. Bima, kende, moto, fe, fe, naro kendete. Le démon ne part pas parce que tu as haussé la voix. L'autorité spirituelle n'est pas dans le volume de la voix, mais dans l'énergie que dégage celui qui chasse les démons. Wow. Wow. L'autorité spirituelle n'est pas dans... Vous allez voir quelqu'un, il est là en train de crier, crier, mais quand papa entre, il regarde seulement. Tout le monde s'assoit et se met à sa place. Pourquoi? L'énergie qu'il dégage. Les enfants savent en regardant qu'il n'est pas à notre niveau. Il est à un autre niveau. Frère, Dieu me dit de dire à l'église, écoutez-moi très bien, yes. Sans énergie, même si tu utilises le nom de Jésus, même si tu pries dans votre église, même si tu es lié à ton père spirituel, sans énergie, tu vas échouer. Yes. À, au nom de Jésus égale, c'est l'énergie qui fait la différence. À voix égale, c'est l'énergie qui fait la différence. Wow. À ministère prophétique égale, c'est l'énergie qui fait la différence. Amen. On peut gagner tout le monde, sauf un homme de prière. Yes. On peut battre toute femme, sauf une femme de prière. Yes. Voilà pourquoi, même durant Recharge, on aura un jour prévu pour les mamans et les femmes de l'église. Amen. Une femme qui prie est une femme qui brille. Yes. Est-ce que les femmes sont là? Yes. Une femme qui prie est une femme qui brille. Est-ce que les femmes sont là? En cette saison, tu vas briller dans ce pays. Amen. Parce que tu as appris à prier. Yes. Celles qui savent prier peuvent briller. L'énergie. 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 Frère, un linge plein d'énergie vaut plus qu'un prophète sans énergie. Wow. Les démons ne respectent donc pas ta filiation. Ils respectent ceux qui voient, ceux qui remarquent qu'il t'a rempli. Qu'est-ce que Paul a fait sur son corps pour qu'on prenne, on dépose et les démons sortent? C'est fort, hein? Dis avec moi, energeia. Energeia. Dis à ton voisin, énergie. Énergie. Encore? Énergie. Et le mot ergon vient de énergie. Energeia. C'est la même racine. Ergon veut dire œuvre. Quand Jésus dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites et feront des plus grandes œuvres que celles-ci. Parce que les œuvres que Jésus faisait étaient les miracles. Et tout miracle est fait par une énergie. Frère, durant ces 21 jours, yes, on verra des choses bizarres ici. Amen. Je dis, on verra des choses mystiques ici. Amen. Je vais vous enseigner et vous démontrer. Yes. On prend l'eau, on amène l'eau, on change l'eau en vin. Come on. Hein? Une femme qui a des problèmes de cuir chevelure, ce qui est beau, t'as raté. On impose les mains. 7 jours après, les cheveux commencent à pousser. Come on. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Amen. Ce mois d'août, m'a dit l'Éternel, est le mois des témoignages. Yes. Parce qu'il y a une énergie que Dieu relâche ici. Amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie. Je te donne une clé et on va prier. Yes. Une des choses qui augmente l'énergie, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? C'est la connexion. Wow. Dis à ton voisin, la connexion. La connexion. Il est écrit, si un peut renverser 1000, deux peuvent renverser 10 000. Je pensais qu'on allait dire un va renverser 1000 et deux 2000. Mais on voit qu'il n'y a pas d'addition lorsqu'on s'additionne. Mais il y a multiplication lorsqu'on s'additionne. Dans le principe des hommes, 1 plus 1 est égal à 2. Mais dans le principe de Dieu, 1 plus 1 est égal à famille. Wow. C'est papa, maman, enfant et nation. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Avance, prophète. Les hommes voyaient Abraham, Dieu voyait des nations de la terre. Yes. Frère, quand on se met ensemble, on déclenche quelque chose. Voilà pourquoi prier seul, c'est bien. Mais prier avec les autres, c'est mieux. Yes.
Si tu es mari, prier seul c'est bien, mais prier avec ta femme c'est mieux. Yes. Dis à ton voisin, tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Nous allons prier. Nous allons prier. Docteur Manu, j'aime tellement ce texte qui dit dans Ésaïe 6, verset 1, il est écrit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le... N'est-ce pas? On parle des séraphins, n'est-ce pas? Ils avaient 6 ailes, 2 pour voler, voler la face et couvrir les pieds. On dit, les séraphins faisaient quoi? Ils se disaient l'un à l'autre. Frère, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le ciel était rempli de sa gloire. On dit, les fondements du temple s'étaient ébranlés et la gloire avait rempli le temple. Pasteur Feza, on n'a pas dit il disait à Dieu, mais il se disait les uns aux autres. Saint, Saint, Saint n'est pas une parole dite à Dieu. C'est une parole dite à son voisin. Tu n'as pas compris. Saint, Saint, Saint n'est pas dit à Dieu. Saint, Saint, Saint est l'adoration faite, mais en le partageant à quelqu'un. C'est pendant qu'ils se disaient l'un à l'autre. Dans Malachie, on dit, quand ils se disaient l'un à l'autre, que Dieu a ouvert le livre de souvenirs. Oui, lisez bien. On dit, et que Dieu a dit, il va mettre la différence. Mais quand ils se disaient l'un à l'autre, ils conversaient au sujet de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ta prière. Tu as besoin de ma prière. Tu as besoin de ma prière. Car là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Yes. Il est écrit, si deux ou trois s'accordent sur la terre. Yes. Pour demander à mon Père quelque chose qui n'est pas de cette sphère. Yes. À mon Père qui est dans les cieux. Yes. Cela leur sera accordé. Amen. Avant de recevoir ce qui est accordé, il faut d'abord être accordé. Wow. Il y a deux accordés. Wow. Et ce que j'aime, c'est que accordé là, en grec, c'est le mot comme symphonie. Quand la symphonie musicale joue, ce grand groupe de musique, de kimbanguistes, tu entends le violon ici, la basse là-bas, le tambour là-bas, ça fait du bruit ça et là, mais il y a une telle harmonie qu'il y a la symphonie. Peut-être que tu pries à basse voix, moi je prierai à haute voix. Peut-être que tu es court, moi je suis grand. Peut-être que tu prieras en intelligence, moi en langue. Mais dans tous les cas, il y a une symphonie qui va se créer. Yes. Et quand on va s'accorder, il va nous accorder. Quand on va s'accorder, il va nous... S'accorder. Alors, dis à ton voisin, quand on va s'accorder, il va nous accorder. Est-ce qu'on peut s'accorder ici? Yes. Et laisse-moi te dire, lorsqu'on s'accorde, l'énergie augmente en toi. Yes. Parce que quelqu'un prie pour toi. Yes. Quelqu'un intercède pour toi. Yes. Tenons-nous deux à deux ou trois à trois. Pasteur Daniel, viens, on va commencer à vibrer. Que les intercesseurs viennent ici devant. Tous les intercesseurs ici devant. Nous allons vibrer dans la prière. C'est parti. Main dans la main. Deux à deux, deux à trois. Tiens ton voisin et prie. Regardez-vous face à face. Priez. 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 Faites un cercle. Faites un cercle. Faites un cercle. Lâche la main, faites un cercle. Lâchez les mains, faites un cercle. Pasteur Daniel va nous diriger. Faites un cercle, regardez-vous, faites un cercle, faites un cercle. C'est très spirituel. Le cercle est l'image de la spiritualité, on parle de l'éternité. C'est un bloc. C'est un bloc, c'est l'infini. Nous allons faire bloc. On va battre les mains et prier. Attendez la requête du pasteur Daniel. Quand il donne le point de prière, on va commencer à battre les mains et à prier. Vous êtes en ligne, soyez en prière. Vous êtes ici, soyez en prière. Ce mois d'août est notre mois de prière. Je dis à Dieu, je suis faible. Je n'ai pas d'énergie. J'ai perdu beaucoup d'énergie. J'ai trop prêché, j'ai trop chanté, j'ai trop péché, j'ai trop fait des choses qui ont vidé mon énergie. Je veux qu'en ce premier dimanche,
qui nous prépare à recharge. Que je sois rechargé de mon énergie spirituelle. Pasteur Daniel. Shabababa. Enadabakaskapa. Enedekaskapa. Au nom de. Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour cette parole qui va nous guider jusqu'à la fin de l'année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour cette parole qui nous parle sur les énergies spirituelles. Merci pour cette saison que tu renouvelles l'énergie en moi. Au nom de, au nom de, commence à battre les mains, nous sommes en train de prier. Skapala Baba. Yeah. Skapala Baba. Skapala Baba. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Osez. Sakapo. Sakapé. Sababo. Cette parole est une lampe en cette saison. Pour cette église, pour chaque ministre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour l'intercession. Sababababa, Sabalababa, Sabalababa, Skapalaba, Skapalaba, Skepelebe, Skepelebe, Skapalaba, Sabalaba, Shalababa, Shapalaba. Dieu a ouvert nos oreilles ce matin. Il a ouvert nos esprits ce matin avec cette prière. Shalaba, Skapa, Rababa, Rebebe, Erebe, Shalaba, Sapa, Sepe, Koporoko, Skapara, Skepere, Skapara, Sapa, Sepele, 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 Sapa. Sapa, 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 skapa, sapa, skapa, skapa là-bas, sepelebe, sepele. Oh non Dieu! Acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Dis avec moi, mon Père, au nom de Jésus, je bats les mains, je bats les pieds, j'abats. J'abats toute forteresse spirituelle qui s'élève pour détruire mes énergies spirituelles. Au nom de, au nom de, par le nom de Jésus, je détruis toute connexion qui me dépouille de mes énergies spirituelles. Au nom de, au nom de, commence à battre les mains au nom de Jésus. Yeah. Par le nom de Jésus, toute forteresse qui s'élève pour détruire tes énergies spirituelles. Est-ce que tu peux prier? 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 Skaporoka, Skepeleke, balemé. Hey. Toute forteresse, tout hôtel qui se réclame ton énergie spirituelle. Saparababa, Saparaba, Saparaba, Sepelebe, Sapa, Sapa, Kaporo Kopo, Skepele Kapa, Baleme, Skapala, Sepele, Sapa, Sapa, Onate. Au nom de, dis avec moi au nom de Jésus. Oh, dis avec moi au nom de Jésus. Je bats les mains, je bats les pieds. Je déclare dans mon travail, dans ma carrière professionnelle, au nom de Jésus, je reçois l'énergie spirituelle pour faire des résultats extraordinaires, 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 extraordinaires. Dis au nom de Jésus, je bats les mains, je bats les pieds. Je déclare, ce matin, je suis rechargé des énergies spirituelles pour faire des exploits
dans mon travail, dans mes études, dans mes projets, dans mes finances. Au nom de, au nom de. Comment ça va, tellement nous sommes en train de prier. Hey! Tes talents ne passeront pas inaperçus. Scopo, Rakapa. L'énergie pour faire des espoirs. Priez, 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 priez. Bonne de la. Aisez-moi à prière. Priez. Bonne là. Mon père, aujourd'hui, je déclare que ce mois d'août est mon mois de recharge. C'est mon mois de recharge spirituel. Élève les mains. À partir de ce dimanche, yes, 6 août 2023, yes, à la veille de recharge 21, je décrète et déclare, yes, que toute l'énergie que tu avais perdue, Dieu te les renouvelle. Amen. Dieu te donne la force. Yes. Je dis la force. Yes. Kratos, la force physique. Je dis la. Excusez-moi, c'est pas Kratos, c'est Iscus. La force physique, ce n'est pas Kratos. Kratos, c'est notre force. La force physique de tenir, de prier, de jeûner, de veiller, de te priver de la nourriture, de te priver des plaisirs, de te priver de ce que tu aimes pour être devant Dieu. Ta vie et ton ministère ne seront plus jamais comme avant. Je suis l'ange de cette maison. Je mets le sang de l'aspersion sur toi. Tu es protégé. Ta famille est protégée. Tes parents sont protégés. Tes enfants sont protégés. Ta maison est protégée. En ce mois d'août, aucun enlèvement, aucun accident, aucun incident. C'est ton mois de témoignage, ton mois de miracle et ton mois d'ascension. Reçois cela au nom de... Acclame très fort pour le Seigneur car c'est fait. Entre à ta place et tu acclames pour Jésus. L'énergie. Dis avec moi l'énergie. Encore. Dis l'énergie. Venez, vous qui avez levé la main, venez. Dis avec moi l'énergie. C'est une énergie, tu la reçois. Plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Plus jamais. Plus jamais. Cette énergie te donne de résister devant la puissance de la sorcellerie qui est dans votre famille. La puissance de la sorcellerie va bondir, va venir, va partir. Car cette énergie entre en toi. Reçois cette énergie spirituelle.
Tu es plus qu'un linge. À partir, attention, reçois. Reçois. L'onction est tombée dans ces lieux-là. Attention. Trois personnes reçoivent cela maintenant. C'est une forte énergie plus que l'électricité. Ça tombe ici et ça tombe dans la salle sur quatre autres personnes. Il y a trois ici et quatre dans la salle. Trois ici, quatre dans la salle. Trois ici, quatre dans la salle. Trois ici, quatre dans la salle. Reçois cette énergie. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est plus puissant que 6600 volts. Quand elle entre en toi, elle peut te bouger. Elle peut te chambouler. L'énergie du ciel. L'énergie d'en haut. Merci Saint-Esprit. Acclamez pour le Saint-Esprit. Acclamez. Acclamez, acclamez. C'est dans la salle. C'est dans la salle. C'est dans la salle. Tu es derrière, acclame bien. Cela vient vers toi. Amen. Mets-toi dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, recharge. Qui est béni ce matin? Acclame très fort où tu es. Qui est béni ce matin? Qui est prêt pour recharge? On commence quel jour? Donc mardi déjà ici, on va frapper. Mardi, il n'y a pas de chaise dans l'église. Mardi, il n'y a pas de chaise. On va acheter notre natte demain, on va mettre le natte partout. On vient, c'est l'intention qui va diriger. On a prière. Donc ce mardi, on a... Pasteur Daniel? Ce mardi, on a 80 minutes de prière en langue. Maté et Zaté. Oh, ce mardi, il n'y a pas de prédication. Ce mardi, on a 1h20 de culte. Donc quand on vient seulement, on commence la prière. Hein? Prière en esprit. On prie en langue, on prie en intelligence. Donc on va être ici 1h20 de culte. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? On commence à 18h pile, on finit à 19h? Donc on commence prière. 5 minutes offrande, c'est fini, on part. On vient ici, les autres vont monter sur les murs. D'autres sous... Oh, papa, on a la prière mystique. Oh, toutes sortes de prières. Frère, on va prier. Il n'y a pas de chaise à l'église. Hein? Tout le monde est... Hein? Dis à ton voisin, c'est notre mois de prière. Quelqu'un a compris l'esprit du mois de prière? Donc, mardi, on entre 18h pile. On commence. Là, braba, sac. Point de prière, prière de combat, pas de prédication. Donc mardi, si tu es faible à la maison, viens commencer à avoir la force ici. L'union fait, 19h20, on a fini, on part. Mais vendredi, on est ici, on commence recharge. Qui est béni? Acclame très fort si tu es béni avec ça. Pasteur Daniel, donc mardi, 80 minutes. De prière. Les baraba sobra karaba. Mbanga pena fo soi. Dis à ton voisin, ta mâchoire doit souffrir. Oh, tiens ton voisin violemment, dis voisin, ta mâchoire va souffrir. Tes genoux vont souffrir. Ton dos va souffrir. Hein? Tes articulations vont souffrir. Dis à ton voisin, mais togo bonde là. La masa braka, le brako sopraka, imarama sobrake, et la basaka rabasha. Dis à ton voisin, ton robot est là. Je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, on va prier. Oh, tu as pas de. Tiens, ton voisin, du voisin. Nous allons prier. Celui qui peut prier peut briller. Dis à ton voisin, celui qui peut prier peut briller. Dis à ton voisin, voisin, si tu peux prier, tu peux briller. Dis à ton voisin, ton robot est là. Une heure devant Netflix, une heure devant Disney+, une heure devant Facebook. Frère, nous allons faire 21 jours prière. Facebook à côté.
Netflix à côté. Les téléphones là, Bola la rabine. Oh, nous, notre amour est tellement fort, on dort jusqu'à 4 heures au téléphone, papa. Tout ce que j'ai dit à ton voisin, on va prier. Si tu n'es pas, écoute-moi, ne dis pas, oh, mardi, moi j'aurai honte, je ne sais pas prier. Viens seulement. Tu sais, quand tu vois quelqu'un prier, tu vois une femme comme toi prier, ça peut t'encourager. Quand tu vois un homme comme toi prier, ça peut t'encourager. Dis à ton voisin, nous allons prier. Hein? Qui aime la prière ici? Il faut que tu pries à un niveau où tu sens la prière. Tu sais, il y a des gens, quand tu le vois, tu sens que c'est un homme de prière. Il y a des lieux, quand tu entres, tu sens que des gens ont prié ici. N'est-ce pas? Tu sens l'énergie. Dis à ton voisin, nous allons prier. Encore? 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 Tiens ton voisin, dis voisin. Dis à ton voisin, recharge. Et plus on va prier, plus tu vas accumuler des énergies. Si le téléphone de ta vie était au rouge, il sera au vert. Tu pourras recevoir les appels de Dieu et tu seras passé des appels au ciel. Tu pourras texter Dieu et tu recevras aussi des textes. Yes. Mais tu dois être heureux. Recharge. On va faire une offrande du prophète ce matin. Prends une offrande là où tu es, viens déposer sur l'autel afin d'honorer la parole que tu as reçue en ce jour. Le mystère des énergies spirituelles, ce n'était que l'introduction. Qui a été béni? Ce n'était que l'introduction. Tu dois te recharger. Dieu attend de toi beaucoup de choses. Tu as trop de responsabilités. Tu as trop de défis qui t'attendent. Dépose, c'est l'offrande du prophète. Tu déposes sur l'autel en honorant l'onction qui travaille. Dépose sur l'autel. Dieu m'a dit de faire quelque chose ce matin-là que je vais faire. C'est la première fois qu'ils me disent de faire une chose comme ça, mais je vais la faire. Je crois que c'est pour la bénédiction de quelqu'un. Dépose sur l'autel. Je sens que l'esprit de ce culte va nous accompagner le soir à Fotizo. Dis à ton voisin, Fotizo. Le soir, je ferai un service prophétique. Le matin, je n'ai pas fait, je voulais enseigner et libérer l'esprit de la prière. Mais le soir, ça va être un culte de la puissance de Dieu. Avancez, déposez sur l'autel, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, vous multiplie. Vous arrose. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Avance, papa. Tu seras rechargé pour te décharger dans ta génération. Amen. Je reçois. Ah, je t'aime, Saint-Esprit. Papa. Yes, papa. Je reçois. C'est qui ce beau garçon? Yes. Il s'appelle comment? C'est le bébé de qui? Maman? Elle est où? Maman Passy. Où il est beau, le bébé? Ah, ok. Je vois. Sonia. Je vois. Oh, il est beau. Il voulait me saluer pour privé. Il vient me saluer d'abord. Ça, il sera serviteur de Dieu comme moi. Viens, mon gars. Avance, papa. C'est fait. Je suis revenu au Congo. Quand tu entends Pasteur Ramazan, il parlait, tu sais que ça va? Dieu te bénisse. Tu vas bien? Check. Ça va? Allez, check. Boum. Avance, voilà. Papa. Bienvenue à Kinshasa. Mon père. Yes. Écoutez-moi. Ce que je vais faire est assez bizarre, mais je vais le faire parce que Dieu m'a parlé. Quand je suis entré au bureau ce matin, on avait prié avec les pasteurs et j'ai dit quelque chose. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, dorénavant la prière qu'on fait le matin, on le fera avec tous les pasteurs de la communauté, de d'autres pays. Et j'ai regardé sur ma table, je n'ai pas vu d'ordinateur. Dieu m'a dit, Joël, quand tu finiras de prêcher, tu feras un appel.
Parce que je vais bénir quelqu'un dans son travail. Amen. Quelqu'un qui va te mettre l'ordinateur sur ta table. Et je vais faire quelque chose pour lui au travail. Que cette personne vienne. Tu travailles et tu dis, je vais mettre l'ordinateur sur la table de mon père spirituel. Que Dieu fasse quelque chose pour mon travail. Viens. Cette semaine, je dirais qu'il y aura 3 ordinateurs. Venez seulement. Il y a ordinateur, il y a imprimante, il y a tout ça qui va avec. Hein? Venez seulement. Viens. Je sers un Dieu vivant. Ce n'est pas l'argent qui me manque pour acheter, croyez-moi. Je ne le dis pas pour vous déranger. Mais je sens que Dieu veut bénir le travail de quelqu'un. Je peux mettre le meilleur ordinateur qui soit sur ma table, n'est-ce pas? Tout ce qu'il faut dessus avance. Et on le fait avant que recharge ne commence. Tout est déjà placé là. Quand j'entrerai dans recharge, il y a quelque chose qui va se passer. Pour toi et pour ton travail. Vous me dites à l'oreille, vous allez faire quoi? J'ai besoin de Pasteur Daniel, viens. Ces personnes-là vont avoir quelque chose. Une dernière personne, viens. Une dernière personne, avance. Crois-moi, c'est sur la table que j'utilise. Il y a 2 hôtels dans cette église. Ici, c'est l'hôtel. Mon bureau aussi, c'est l'hôtel. Avance, viens seulement ici devant. On m'a déjà 2 personnes, on dit, vont donner 800, 800, 200, 200, d'autres imprimantes. Dites-moi à l'oreille, vous allez faire quoi? Vous allez voir, Pasteur Daniel, quand je vais commencer recharge, Dieu m'a dit de faire cet appel. Et quand je le fais, il va vous bénir. Vous allez faire quoi? C'est une personne en ligne qui a dit quoi? Qui envoie un MacBook. Voilà. Que Dieu bénisse. Seigneur, j'ai fait ça parce que tu cherches un prétexte pour bénir quelqu'un. C'est pour cela que cet appel a été fait. À toutes ces personnes qui sont venues maintenant, jusque vendredi, qui vont poser cet acte, déjà vendredi, ce sera ici, on va installer tout. Quand je commencerai recharge, alors que je vais prier, je commence recharge, je verrai ça sur la table. Je toucherai cela et je vais prier. Seigneur, quelque chose va se passer au ciel pour le travail de toutes ces personnes qui viennent semer ici. Il en sera tel que j'ai parlé au nom de Jésus. Amen. On acclame pour le Seigneur. Attendez, on prend vos coordonnées. Pasteur Daniel, allez avec eux dans la salle à côté. Vendredi, quand j'entre au bureau, tout doit déjà être placé. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Nous allons recevoir ceux qui sont là pour la première fois à la porte des cieux. Si la chorale peut me rejoindre derrière, nous allons vous accueillir. C'est la première fois de venir à la porte des cieux. Veuillez vous tenir debout, nous allons vous accueillir dans la joie. Est-ce que les amis peuvent les acclamer et les accueillir et les saluer? Change notre vie. Nous espérons vous revoir bientôt. À la porte.
bienvenus parmi nous. C'est la porte de ceux qui vous reçoivent. Soyez les bienvenus parmi nous et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez déjà une église, prenez cette église comme une deuxième église pour vous. Et de grâce, prenez part à ce programme de recharge qui est organisé à la porte des cieux, mais pour tout le corps de Christ. En même temps, si vous n'avez par contre pas d'église, cette église peut devenir votre église. Nous avons remis par le service du protocole quelques fiches. Vous allez les remplir, s'il vous plaît, et les remettre entre les mains d'un homme qui vous recevra juste 5 minutes avant que vous puissiez quitter le temple, même après la prière. Il va se lever, évangéliste Christ. Il est où? Voilà, monsieur le député. Les deux mains là. Monte. Il est très gentil, il va vous recevoir, il sera juste assis ici. Il va vous recevoir, s'il vous plaît. Dès que le culte se termine, vous allez vous orienter ici. Il parlera avec vous 5 minutes, vous allez remettre entre ses mains l'affiche, car nous aimerons garder contact avec vous. Merci beaucoup, mon fils. Je vous rappelle que ce soir, nous avons Fautizo de 16h à 20h, mardi 18h à 19h30, prière en esprit, n'est-ce pas? Et prière en langue, bon, prière en esprit, c'est mieux, parce que dans la prière en esprit, on met la prière en langue, et la prière de combat spirituel. On met tout dedans, n'est-ce pas? Prière. Il n'y a pas de prédication. Donc, si tu crois qu'on va prêcher, on ne prêche pas. Tu regardes ça, Nini? Au bon, on les a dit qu'au Sambé, là. En quiconque, c'est comment? Kusambila. Sambila. Merci aux nouveaux venus. Merci. On les acclame encore. Merci. Être debout pour clôturer la prière. Dès que la prière se termine, nous avons les cadres. Le cadre est là. En tout cas, faites-moi votre plus beau sourire. On n'a pas d'une séance de photos. Je ne sais pas quand il y a une photo. Oh, bandez-la. Bandez les athées. Tu viens, tu souris. Vous êtes à un ou à deux ou à trois peut-être. Derrière le cadre, on fait la photo une fois, c'est fini. Ce n'est pas une séance photo. Vous allez voir votre beau visage sur Internet. Et vous pourrez le partager. La fiche de recharge est sur Internet partagée. Le spot aussi sur Internet partagé. Et on a déjà partagé les fiches, les affichettes, pas encore? Déjà partagé? Ok, un lot est partagé maintenant, l'autre sera partagé le soir, l'autre même mardi. En tout cas, mobilisez-vous. Je veux voir l'église vraiment saturée par ce programme. Qui sont venus en bus? Ok, anyway. D'accord, que Dieu vous bénisse abondamment. On va voir comment vous raccompagner. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit soient avec chacun de vous. Soyez continuellement remplis de l'énergie spirituelle. Seigneur, merci pour le culte de ce matin. Merci pour le docteur Manu qui est un prophète qui nous a parlé de ta part. Oui, nous entrons dans la prochaine saison de l'Église, une saison des millions. Nous disons amen à cela. Rentre avec chacun. Donne-nous d'expérimenter ta gloire et ta grâce durant cette saison. Et permets-nous ce soir encore à l'église de venir nombreux afin d'être abreuvés. Nous sentons vraiment que c'est un mois de prière. Éloigne de nous toute chose et toute personne qui peut nous distraire. Garde-nous connectés au trône et permets-nous d'être renouvelés dans notre énergie. Et si avec quelle que soit une énergie négative en nous, débarrasse-nous de ces énergies, Seigneur. Permets à chacun d'être rempli de l'Esprit afin d'être conduit par l'Esprit. Je vous bénis en tant que prophète. Que le Dieu que je sers vous bénisse, rentre avec vous et mette sa main de manière spéciale à toutes ces personnes qui ont décidé de mettre cette machine sur la table de mon bureau. Rentrez en paix au nom de Jésus. Amen. Approchez pour les photos déjà. Que Dieu vous bénisse.